Et bienvenue sur l'épisode 193 de COPS. Donc bah voilà, il n'y a pas autre chose à rajouter. Je vous laisse faire le résumé de l'épisode précédent. Non mais les avatars ils s'allument pas. Ah. J'ai peut-être on en a peut-être démarré deux en fait, c'est ça le petit pose problème. C'est la shield des avatars. Alors. Pour cette superbe blague, je pense que tu es de corvée de résumé. Oui, personne n'entend pour l'instant. Mais c'est pas ce qu'il a dit, il a juste dit que les avatars s'allumaient pas, ça veut pas dire que personne n'entend. Non, on vous entend, on vous entend. Voilà. Vous pouvez parler, mais... pas de chance, hein. Eh mince. Alors, vous voulez que je refasse le... Previously in COPS. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on est toujours en protection de notre acteur préféré. Alors, en même temps, il va falloir que j'ouvre ça. Et on, l'épisode dernier, on a été à la fameuse... c'est pas une convention... Excusez-moi, j'étais en plein... J'avais ça dans la tête. Le festival de Burbank, si je me souviens bien. Le film de Burbank. Le film de Burbank, oui. Où il y avait plein de stars, plein de réalisateurs, et notamment toute l'équipe de tournage et des acteurs présents sur La Condamnée, le film... qui est en train de tourner notre protégé, et dans lequel tourne Lynn aussi. On a eu quelques petits moments de stress et de montée d'adrénaline avec l'acteur qui va se shooter avec sa pipe à crack alors qu'on pensait qu'il allait sortir un flingue. Le type qui n'avait pas l'autorisation pour retransmettre la petite soirée privée qui suivait le... Enfin, donc, qui n'avait pas les autorisations pour retransmettre les images de la... du festival et qui a essayé de nous la mettre à l'envers. Bref, plein de petites choses comme ça. Et finalement, ça s'est pas si mal passé. Voilà, désolé. Hello. Hello. Coucou. Hello, je suis désolé. C'est rien. On est en résumé. Je cours partout. Donc, ça s'est pas si mal passé que ça. Il y a eu une petite after dans lequel notre ami Peter s'est un peu lâché, on va dire, hein, entre rail de coke et whisky intéressant. Bon, et une notoriété publique que certains l'ont un peu poussé sur les chemins du vice. On dévoilera pas de nom, mais tout le monde sait que c'est Max. Et bon, non, on a récupéré notre Peter un peu bien remonté à coups de sniff et de rail de coke. Ouais, pendant... grâce à ton... Mais vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, ce serait le moment de fêter. Et par contre, Lynn est partie avec deux nanas, une actrice qui jouait aussi dans La Condamnée. Bah, deux actrices qui jouent dans La Condamnée. Deux, c'est ça, la deuxième aussi. Pour faire une petite soirée entre filles, on va dire.
Hein, on va dire ça. Une soirée pyjama. mais sans pyjama. Sans pyjama. J'avais pas prévu. Bah, et le lendemain matin, on va dire que Peter a eu un réveil très difficile. Alors, on sait pas trop si c'est la coke ou l'alcool, ou l'effet conjugué des deux. Et on va dire que Lynn a eu un réveil aussi très difficile. Parce que quand elle s'est réveillée dans le lit avec sa copine, hein, on va dire ça comme ça, elle était un peu morte. Et donc, elle était légèrement chaude. Hein, ah, c'est ça. Il y a une enquête qui est ouverte. Lynn fait office de premier témoin et première suspecte, a priori. T'es allé trop fort, Lynn. Ah ouais, trop forte. Et donc, on a été resté à... normalement, c'est notre le petit dernier qui va récupérer l'enquête parce que c'est lui qui a le moins de... Comment on va dire, vu qu'on est arrivé les premiers sur les lieux, c'est lui qui a le moins de... D'attache. Pas d'attache, mais de conflit. Je sais pas comment on peut traduire ça, en fait. Bah, si vous avez du conflit, c'est que vous avez des attaches envers moi, non? Ouais, c'est ça, mais c'est y a un terme exact pour ce genre de choses. Il est plus neutre. Le conflit d'intérêt. Ouais, ça. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, parce que forcément, comme c'est notre partenaire et qu'on la connaît depuis longtemps... On ferait peut-être un truc à charge contre ou pour essayer de la disculper, étant donné que forcément le petit nouveau et le petit dernier, il la connaît pas depuis longtemps, donc c'est lui qui est le plus à même à pouvoir diriger l'enquête. Il y a juste un truc, un erratum, c'est que ça se passe, c'est dans l'appartement de Madame King, donc c'est dans un bâtiment, c'est pas dans une villa, c'est dans un bel appartement. D'accord. Voilà. Appartement. Ça change pas grand-chose réellement, mais voilà. Ah, ça, c'était plus classe dans la villa. Mais bon. Oui, je sais, mais non, c'est pas une villa, c'est un appartement. La villa, ça faisait très poncif, film pornographique. Quoi. A priori, il va être disponible à part temps. Donc, ouais, forcément. Ouais, je pense que la locataire va plus payer grand-chose. Moi, s'il veut, Jason Cryptic, là, s'il veut m'appeler Nièce et que je l'appelle Tonton Jason, je l'appelle Tonton Jason. Hein. Alors, je rappelle que, j'ai vérifié, hein, c'est bien Jason Cryptic et Jason King. Hein. Ils ont tous les deux le même prénom. Hein. Le chef de l'Hydra et le chef des Cops. Ah, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien au final. Ouais. Ça, aucun... Enfin, s'entendaient bien jusqu'à aujourd'hui. On reprend. Lynn, toi, je considère que t'as vite fait jeter un coup d'œil, mais t'as pas touché à la scène. Ouais. Non, parce qu'elle est pro. Et débarque sous les coups de 8 heures notre ami. J'ai du mal à retenir le. Hein? Clyde. Oui. La question, c'est qui surveille l'acteur? Je vais le faire. Bah, autant le faire à deux et puis Ouais, mais. Ouais, vaut mieux pas le faire. Alors, on va le faire autrement. Attends. Sur la route, Clyde, tu as pas le capitaine, le lieutenant qui t'appelle. Ouais. À la fois Iron Man et ton lieutenant aussi de l'équipe B. Ok. En gros, tes ordres sont les suivants. Tu dois enquêter sur ce qui s'est passé, si c'est un meurtre ou si c'est un accident. Tu dois interroger donc le cops qui était sur place. Oui. Et faire un rapport le plus vite possible. Ok. Et si enquête il y a, en gros les gens qui sont tes coéquipiers sont sous tes ordres. En gros, oui. S'il y a une enquête, pour le moment, il y a une enquête qui est ouverte, savoir si c'est un accident ou pas. Mais dans tous les cas, ce sont tes adjoints. Donc, c'est toi qui dis qui fait quoi. Ok, d'accord. C'est moi qui dirige et qui... Ok, c'est noté. Sachant que la mission de protection n'est pas ajournée. Hein. Oui, je sais. Faut pas que... Voilà, faut qu'on... Principalement, protection donc, de l'acteur. Et en même temps, faut que j'enquête, moi, par contre, de mon côté. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis la mission n'est pas à journée, mais tu dois. C'est pas de ton côté, c'est les gens sont sous tes ordres, c'est toi qui les disperses comme t'as envie. D'accord, ok. C'est-à-dire, si tu en as besoin sur place avec toi, tu les prends avec toi. Si tu veux qu'ils restent tous pour protéger l'acteur, tu les prends tous pour protéger l'acteur, mais c'est toi qui choisis. C'est pas moi qui t'ai donné l'ordre, pour le coup. Ça marche, j'ai compris. J'ai compris. C'est toi le doc. C'est moi le doc.
Exactement. Maintenant, un petit truc à creuser, Lynn, parce que je suppose que ça va faire basculer tes ménages, mais on était impliqués, nous, dans la première affaire King. Non. On a servi de... On a servi... Pour aller voir si c'était pas un gang, c'était une histoire... Nous, on a été faire le... On a été voir un gang qui disait « Ouais, c'est nous qui l'avons. » Comparé... Et puis le reste des... Et le reste du COPS a été envoyé sur, dans le désert de la chercher. De mémoire, c'est ça. C'était ça. Mais... C'est par notre information qu'ils ont su où elle non. était et qu'ils non. ont été. Ah non, 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 clairement non, pas. Non. Ils nous ont dit, non. Des gens disent qu'ils la tiennent, on pense que c'est un piège à con, allez-y, nettoyez, et nous, pendant ce temps-là, on a une autre opération qui paraît plus solide. Ouais, c'est ça, merde. Donc ça fout, parce que j'ai l'impression, en fait, que le coup de la protection de Peter, est-ce que c'est lui qui est bien la cible ? C'est lui qui a demandé. Bah, ouais, alors c'est ça, c'est une bonne question, mais c'est lui qui l'avait demandé parce que c'est à son nom qu'étaient envoyées les menaces. Mais Est-ce que justement la victime, c'était pas, enfin la cible, c'était pas King directement, et le fait de pouvoir impliquer un cops qui était dans l'affaire, c'était un bonus. Pas dans l'affaire. Pas qui. On n'était pas dans l'affaire. Notre nom n'apparaît nulle part. Enfin, nous, on a juste été envoyés sur un troupeau de gangers qui avait pris un otage. Donc je passe un coup de fil au médecin légiste pour faire marcher mon stage pour avoir les analyses le plus tôt possible. Bah, le truc, c'est que il va essayer de faire, mais il te dit, faut voir avec le gars qui est en charge de l'enquête, et il te dit qu'a priori, il y a deux détectives en charge de l'enquête et ils vont arriver. Ouais. Bah, si moi je suis l'un des deux, t'es mal. T'en sais rien, il a pas l'info. J'aimerais bien juste que. Comment il dispatche les troupes, si vous pouvez lui laisser le. Ok. Qui c'est qui avait dit qu'il se portait volontaire déjà pour surveiller l'acteur Je vais pas parler d'être volontaire, je vais parler de sacrifice. Non, volontaire c'est Denis, c'est toujours Denis qui est volontaire. Ah oui, mais je suis toujours volontaire, mais au bout d'un moment, j'aimerais bien bouger un peu. beaucoup à la maison, moi quand même. Hein. Et puis t'es ma collègue, hein, faut que j'y aille. J'ai la primeur là-dessus. C'est peut-être même toi le moins décisif. Laissez le moins cet organe prendre sa décision, s'il vous plaît. Denis, c'est un gros bras, donc c'est vrai que protéger l'acteur, pour moi, ça serait le plus logique. Lynn, toi, tu peux pas être sur l'enquête, donc tu peux pas être avec moi si j'ai besoin d'un coup de main. Bah, techniquement, je vais être là, mais je vais plutôt être en témoin, et je pense que le SAD va vouloir m'interroger. Hein, donc, Mais bon, dans l'absolu, je serais plutôt motivé pour enquêter, hein, monsieur. Pour me dédouaner de. Tu m'étonnes. du meurtre, quoi. Enfin, meurtre ou accident. On est la journée ou la nuit, là ? Quoi ? On est la journée ou c'est le matin. Matin. C'est le matin. Donc tout le monde a dormi quasiment, pratiquement. Oui, oui. Enfin, vous avez fait ce qu'on avait dit la semaine dernière. Vous êtes relevés les uns et les autres pour qu'il y en ait au moins un qui dort, un qui est debout à chaque fois. Donc je considère que vous avez dormi. Vous êtes en forme. Techniquement parlant, si Lynn est reconnue comme étant coupable et condamnée et en prison, ça me fait du temps pour la rembourser, non ? Et puis elle. J'aime beaucoup. L'entraînement de Hit Girl de ta fille va prendre un peu de retard, c'est bien, ça te laissera peut-être le temps de la sortir de la secte dans laquelle tu l'as mise. Mais tu dis ça parce que. Tu sais, y a aucune prison qui me retiendra de tes $200, hein, tu sais. c'est bien ce qui me fait peur en fait, donc je vais pas courir le risque. Surtout pour seulement $200. T'as tué pour $200? Je vais mettre. Je vais avec Max, on va aller enquêter. Je voudrais retourner sur le lieu du crime ou avoir un rapport de la balistique. Enfin, de toute façon, pour le moment, il faut que tu ailles sur place de toute façon. Voilà. Mais je te demande qui tu prends avec toi, qui tu laisses défendre et qui t'envoie ailleurs. La question est simple. Hein. Ouais, bah pour l'instant, je prends à ce compte-là. Je peux en laisser que deux avec. Mais tu fais ce que tu veux. Ok. Je vais laisser Denis et Juan avec l'acteur pour le protéger pour l'instant. Et j'emmène Lynn et Max avec moi sur le. Alors, Lynn, tu l'emmènes pas, il est déjà sur. Elle est déjà là-bas. Oui, je suis déjà sur place. Ouais, j'emmène Max avec moi alors. Ok. Tu pars, je suis un peu en avance quoi.
First. Donc, tu arrives à l'appartement. Tu as des flics qui sont là, qui font, qui vérifient, qui rentrent, qui sortent. Et en même temps que tu rentres, en fait, il y a un autre, il y a un inspecteur en fait qui rentre avec toi et qui se présente. Oui. Donc, Kendall Mills du SAD. Ok. J'espère votre collaboration sur ce qui va se passer ici. Complète. Bien sûr. Du coup, est-ce que j'ai pu demander soit à ma coloc, soit à Clyde, quand il venait, de passer chez moi pour prendre des affaires? Je pense que ta coloc arrivera un petit peu après, mais ouais. Ouais, parce que je suppose qu'ils vont les saisir pour l'enquête, donc... Oui, ils vont tout saisir, oui, il y a des chances. S'il y a un doute, il y a des chances qu'ils saisissent tout. Après, si c'est un accident, ils vont pas saisir, tu pourras prendre tes affaires. T'as une petite tenue, là, César? un petit peu, oui. On prendrait des photos à faire. Il y en a des pires, hein. Tu sais, il y en a des pires déjà, donc c'est bon. Histoire d'avoir la tu, tu feras rien de nouveau. Ok. À ce niveau-là, ouais. Moi, je considère qu'on te file des vêtements, hein, Lynn, pour que tu puisses te déplacer. Ouais, d'accord. Ok. Donc, bah, dites-moi ce que vous faites. Après, je ferai les jets de scène de crime, mais juste dites-moi les trois qui sont sur place. Du coup, moi, je commence par prendre, faire un tour du périmètre pour vérifier rapidement s'il y a des preuves qu'il y a une entrée ou pas. Alors, c'est un appartement, il n'y a qu'une seule... Laisse-moi finir. Il n'y a qu'une seule porte, et la porte est à serrure électronique. Il n'y a pas de signe d'effraction. Ouais, enfin, on a pu avoir des preuves que l'électronique était sujet à caution, parfois. Je n'ai pas dit le contraire. Alors, je vais vous dire qu'il y a eu un départ. Il y a eu un départ, parce qu'on était trois. Hein. Et que ça serait pas mal de la retrouver. La victime est déjà partie pour l'autopsie ou... Non, elle est là. Le coroner arrive pour... C'est toi qui décides si elle doit quand partir. Elle doit partir, en fait. J'essaie de d'observer un peu la chambre. A priori, on s'est bien amusé. Il y a de l'alcool, non? Ah, il y a de l'alcool, il y a de la coke. Oui, la consommation est légale, hein. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a... Regarde si je trouve d'éventuelles traces sur elle. Faites-moi, j'ai perception scène de crime. Sachant que je suppose que vous êtes venu avec la mallette pour les autres. Donc t'as un dé en plus, normalement. Enfin, je crois que t'as pas... Non, toi tu l'as pas, parce que t'as pas le... Vas-y, fais-le, s'il te plaît. Bah, moi je fais pas le G, parce que je pense pas qu'ils vont me laisser toucher à la scène de crime. Mais, Il m'étonne. Ah bon. Ça serait plus logique, mais... C'est bizarre. Je comprends pas pourquoi. Moi non plus. Tu peux me faire le jet, Lynn, si tu veux, avec 2 dés de moins, juste en fait des constatations que tu vois sans toucher à quoi que ce soit, tu sais. Bah, ouais. Je demande à Lynn de nous dire ce qui a pu changer justement entre hier soir et ce matin. À part le cadavre et... La température corporelle, on va dire. À part le cadavre, ton état d'ébriété et de drogue et accessoirement... Mais pourquoi Juan il a acheté des dés? Pourquoi? Excuse-moi. C'est réflexe. C'est pour dégoûter tout le monde. Exactement. Oh, moi je dis report this guy. Oh putain. Mais c'est pas beaucoup, hein. Un deux dés en moins. Chouba, est-ce que tu dépenses un point d'ancienneté? Ouais, allez, je vais dépenser un point d'ancienneté pour sauver le cul de notre camarade. Alors. Je fais un petit topo sur tout ce que vous trouvez dans l'appartement. En tout cas, ce matin, mon cul, il est bien propre. Hein. donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, la première chose, c'est qu'il y a une seringue qui est retrouvée dans la salle de bain avec des traces de coke et des empreintes partielles de Mme King, de Miss King. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur elle, elle a des... comment ça s'appelle? Elle a en effet des marques de seringue. Encore? Une bon, encore. Une, oui. Ok, d'accord, j'ai dit. Qui c'est qui a autorisé la... Attends, c'est une question qu'il faudra qu'on après, mais... Qui c'est qui a autorisé la personne à partir? Elle est partie avant que les flics arrivent. Alors, est-ce que tu me laisses finir? Oui, pardon. Merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le système de sécurité. Donc, vous avez accès à la fois à la vidéosurveillance et au système de sécurité de l'appartement. Donc, savoir les entrées et les sorties. Donc, selon le système de sécurité, la porte d'entrée de l'appartement a été ouverte de l'extérieur par une carte à code à 5h12. 12 cartes à code.
Quelqu'un est rentré dans l'appartement à 5h12, en gros. Sachant que pour sortir, il n'y a pas besoin de mettre de code, hein. Il y a juste à ouvrir la porte et la fermer. Ah, mais du coup, est-ce qu'on sait à quelle heure est parti l'autre? Justement, sur la vidéosurveillance de l'immeuble, on voit Milena Caressi qui quitte l'appartement à 4h53. Puis après, on voit une personne vêtue de noir, cagoulée, qui s'introduit à 5h09. Un petit jet de perception. Puis rentre dans l'immeuble en gros à 5h09. Hein. 5h09, perception. Oh. Perception pure. Hein. 3 succès. Ouais. Et c'est sur quoi le seuil? 6. 3 succès. Ok. Vous prenez le temps de regarder. C'est... Alors, vous n'arrivez pas à identifier la personne. Par contre, vous voyez qu'elle rentre dans l'appartement et l'immeuble avec une IS carte. Donc, en gros, une carte qui permet de passer des sécurités électroniques. Qui sont à usage unique et qui sont assez chers. Il en a deux. C'est des cartes qu'on trouve que sur le marché noir, des trucs. Ouais, complètement. Yes, card. Okay. Et bah attends, je crois que c'est à peu près tout ce que tu trouves dans l'appartement. Ouais. Le plus intéressant surtout, c'est pas trop. On verra ce que donnera l'autopsie. Il y a quand même une question que je me pose. La sécurité, elle était pas censée rester en permanence? A priori, ils contrôlaient pas l'entrée et sortie à 5h du mat, en tout cas. Elle est où la sécurité d'habitude? Bah en fait, ils sont là et ils te disent en fait dans la nuit, en fait, vers minuit quand Madame King dort, en gros, on se met en bas dans le PC sécurité de l'hôtel. Et pour le coup, bah ils ont pas eu le temps de voir, ils ont pas vu l'entrée et la sortie, en fait, ils ont pas fait gaffe. Et puis si le mec il rentre avec une carte, c'est qu'il a le droit en fait, parce qu'il a la carte. Enfin, ça les a pas alertés plus que ça, a priori. Ils se sentent un peu comme des cons. Eh ben oui, je pense qu'ils vont perdre leur boulot. Ils ont un peu laissé la fille de leur chef. Hein, c'est ça. De leur grand patron. Pas n'importe quel chef, le grand patron. Ça pue. Ça pue du cul pour eux. Mais bon, on s'en fout pas les couilles. C'est ça que je dis. Est-ce qu'il y aurait des vidéos dans la rue? Ou un magasin en face qui pourrait avoir filmé la rue ou... Ouais, mais ça va prendre du temps à chercher, mais oui. Pour le voir, voir s'il doit pouvoir l'avoir ailleurs, cette personne. Puis s'il est venu qu'un véhicule, on peut peut-être essayer de repérer le véhicule. Mm-hmm. Bah, il faudra aller au central, comment ça s'appelle? C'est surtout là, ça va être surtout les... Il y a pas beaucoup de temps entre le départ de la nana et l'arrivée du mec en cagoulé, quoi. Non, il y a... Il y a 10 minutes, quoi, non? Un truc comme ça. Ouais, c'est pas loin de ça, oui. Il y a le temps de passer le code pour qu'il arrive. Quoi, 16 minutes quand il est rentré de l'appart et 5h12 quand il est rentré. Tu m'as dit 5h12, carte à code de quelqu'un qui est rentré. De là à dire que. Il y a un lien entre les deux. Oh, non, ouais, c'est pas. Non, non, je pense pas. Pas si déconne. Bah écoute, ça vaut le coup qu'on ait posé la question. Hein. Oui. À mon avis. Mais faites gaffe, hein, c'est une actrice. Ouais. Lynn, oui. Pourrait repartir au central pour essayer de chercher une caméra dans les rues adjacentes pour essayer de repérer la personne si on la voit dessus. Oui. Ça te permettra de rentrer un peu au central et puis te vider un peu la tête. Bah je regarde le flic du SAD là. Bah, de toute façon, lui, il note tout et il demande comment il s'appelle? À Clyde de faire son rapport, en fait, c'est quoi ses conclusions sur ce qui s'est passé? Et est-ce que c'est un accident ou pas, ou est-ce qu'il faut poursuivre? Il te demande. Et l'implication de Madame Reich. Alors, ma femme me disait toujours. pour l'instant, les conclusions apparentes, et on doit avoir. La seringue qui est dans la salle de bain et la piqûre qu'elle a sur elle, ça serait mort d'overdose en apparence. Mais moi, je pense pas que ça soit une overdose, sachant que on a une rentrée dans l'appartement à une heure où les personnes dormaient. Enfin, potentiellement dormaient, peut-être. Okay. Donc, à mon avis, à 5h du mat', on était tous déchirés. Hein, mais je pense aussi. Surtout que sur la vidéo, on peut voir qu'il y a une IS card. Ok. Il se tourne
Mademoiselle Reich, sous quelle substance était sous l'emprise de quelle substance étiez-vous hier soir et est-ce que vous étiez en service? Ça dépend à quelle heure hier soir. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Ça dépend à quelle heure hier soir, mais quand je suis arrivé ici, je n'étais plus en service. Hein? Et du coup, principalement de la. Est-ce que vous autorisez le médecin ici présent à faire une prise de sang? Oui. Que bah, je pense pas avoir consommé beaucoup de cocaïne, etc. Après, c'est flou en fait ce qui s'est passé pendant le reste de la soirée. Ouais, je lui dis que c'est qu'il est pas impossible que dans des verres il y ait des trucs qui aient traîné et que comment il formule les guillemets déjà à l'insu de mon plein gré. À l'insu de mon plein gré, ouais. À l'insu de mon plein gré, j'ai pris quelques substances étranges parce que je dois avouer que les souvenirs sont assez flous. Je dirais même que tu es allé à la limite, fais-moi un jet d'éducation pure. Je te donne pas la réussite, elle est très haute, mais je te donne pas la, pour le coup. Est-ce que tu connais les symptômes de la drogue que t'as pris? Non, c'était pas pour ça, pour le coup. Clan FP. Éducation. Que Canal Mills, c'est le mien, non? C'est celui que je connais. Oui, ouais. C'est celui que tu connais, oui. Ouais, non. Tu sais plus, c'est vraiment embrumé dans ta vie, c'est passé. Alors. Après, faudrait peut-être regarder les vidéos de la soirée, s'il y en a. Je sais pas si. On va regarder. Dans le carré VIP, il n'y avait pas de vidéo, non? Il n'y avait pas de. Dans la soirée, oui, mais la soirée qui est pas ici, il n'y a pas de vidéo dans la chambre. Hein. Non, c'est d'accord, mais je veux dire, moi ce que j'entends, c'est est-ce que quelqu'un aurait pu droguer soit mon verre, soit celui de King Je considère, Lynn, que. Celle d'Isabelle King, t'en sais. Peut-être, il faudra voir il y aura peut-être des vidéos, mais le tien, je considère que tu connais un petit peu le milieu et t'as fait gaffe quand même à ça. Parce que tu connais ce genre de truc et t'as peut-être pas eu envie que ça t'arrive pendant la soirée, Lynn. Ok. Parce que Lynn, tu te rappelles pas du tout à quelle heure vous êtes arrivé. Bon, de mémoire, je dirais minuit, juste comme ça, un peu avant. Ouais. Peut-être. Dans tous les cas, est-ce que t'as autre chose à faire dans l'appartement? Lui, le mec du SAD, il fait bon. Si vous avez des choses à rajouter ou d'autres choses, parce que moi pour le coup j'ai fait le tour, j'ai vu ce qui m'intéressait, j'ai rien d'autre à rajouter ici par rapport à ce que vous m'avez dit. Je récupère mon arme auprès du mec de. Je suppose que c'était déjà fait, mais on sait jamais. Sur les vidéos, on voit la personne partir ou pas? Oui. Elle a pas l'air d'avoir pris quoi que ce soit? Non. Visible. Est-ce que ces Air Max sont légèrement plus hautes de quelques millimètres ou de micromètres qui laisserait penser qu'il est un peu plus léger de quelques grammes? Peut-être. J'ai un compas dans l'œil, ça fait très mal. Bon. Ça, c'est le problème des gens qui mettent pas des plaques de pression à la sortie de leur appartement, quoi. C'est, pourtant, ça aiderait. Se faire plaquer par la pression, c'est un peu embêtant quand même. C'est un coup à décompresser. Tu fais quoi, Clyde? Maintenant. Juste 30 secondes, excusez-moi, j'ai eu un appel. Ok. Bah, passe sur les autres qui sont avec l'acteur. Ouais. Pendant ce temps. La fameuse Veracruz. Bah, je suppose que Peter est toujours dans sa chambre. Il est en train de sortir de sa chambre. Il fait c'est quoi tout le bruit là? Ça résonne. C'est le chien. Ouais. Tiens, je te file deux comprimés d'aspirine. Et j'ai une nouvelle pas très sympa. Avant ou après l'aspirine? Prends d'abord l'aspirine. Il prend son aspirine. Alors, la nouvelle.
Isabelle King est morte. Juan, on se connaît pas depuis longtemps, mais tes blagues sont vraiment mauvaises. Non, je confirme. C'est pas une blague. Eh, c'est pas possible. Elle est partie avec un de vos copains. Elle a pas pu mourir. Bah justement, le problème c'est qu'elle est partie avec Lynn et que Lynn est... Oh, c'est ça, vous m'avez dit, elle, c'est une fine gâchette, elle tire sur tout. Oh, elle l'a tué ? Non. On pense pas, non, parce qu'elle est pas morte d'une balle. Mais si elle était morte d'une balle, on n'aurait aucun doute. Hein. Ça, c'est... là, non, là, y a... Mais je pense que... Genre, il n'y a que moi qui tue des gens par balle. Genre. Je pense que vous allez avoir des nouvelles des producteurs du film. Autre chose, est-ce que vous pensez on peut essayer de cibler ou d'attaquer King pour vous... Il va vomir dans les toilettes. Ok, on continuera plus tard. Faut aller lui tendre la tête. Hein. Il a beaucoup de cheveux. Faites gaffe à ce qu'il s'étouffe pas. Hein. Non mais c'est bon. Non mais je prépare la petite serviette chaude. Par contre, je sais pas ce que les Américains ont avec le fait de vomir à chaque fois qu'ils ont une information qu'ils n'arrivent pas à digérer. Eh bah écoute, c'est cliché. Moi j'y peux rien. Ah, regarde les Australiens aussi, hein. Regarde Bon Scott. Excusez-moi. Bah, il était anglais, non? Il était australien, Bon Scott, je sais plus. Voilà. Je sais plus s'il était australien. C'est les frères Young qui sont écossais. Ouais, hein. Ils sont écossais, mais je crois que Bon Scott, il était australien à la base. C'est qui Bon Scott ? C'était le chanteur d'ACDC. Ah. Qui est mort en s'étouffant dans son vomi après avoir piqué une cuite monumentale, comme il était coutumier. Ça, c'était pour la culture du truc. À l'arrière d'une bagnole. Bon, Denis reprépare deux aspirines parce que je pense que là elles ont pas eu le temps de faire effet. Oh mais je dois bien connaître un truc coréen pour soigner la gueule de bois moi. En suppos. Aspirine. Ouais. Alors normalement c'est parce que son corps réclame de l'alcool. Mais c'est. Non, on va lui donner de l'eau. On va lui donner de l'eau. Vous le lâchez tout nu, enrobé de bacon, dans le jardin, il va courir parce que son chien va vouloir le bouffer, ça va le sevrer d'un coup. Hein. Ou alors, on le badigeonne de goudron et de poils de chat et ça fait la même chose. Yes. C'est plus douloureux pour sa peau quand même. Ouais. Bon, bref, on attend qu'il termine, etc. Ouais. Et puis on essaye de lui faire réingurgiter. Ouais, non, mais c'est quoi ? Tu veux lui dire quoi, en fait, surtout ? Bah, je veux lui dire qu'il va certainement avoir des informations de la part de son manager sur le film. Et surtout, est-ce qu'il pense qu'on pourrait essayer d'attaquer ou de vouloir faire du mal à Miss King pour l'atteindre, lui ? Est-ce qu'il avait des relations particulières avec... Non. Non, mais la réponse, c'est non. Non, il n'avait pas de relation particulière en dehors que c'était une actrice qui était plutôt qui montait et que lui il est plutôt dans une phase descendante. Mais que en gros, à part que bah, voilà, elle fait bien son boulot et c'est tout. Il a jamais tourné avec elle avant, ça se passait bien. Et grosso modo là, côté film, on s'oriente vers quoi ? Vers un arrêt complet et c'est tout ? Je suis pas producteur, mais on a déjà tourné pas mal de scènes. Je sais pas, en fait, il faut regarder ce qu'il lui restait à tourner, s'il restait beaucoup pas à tourner, mais il y a des chances qu'il restait beaucoup. Ça dépend combien il y a de sous dans le film, ça dépend du producteur. De toute façon, c'est la merde ce film maintenant. Si vous pouvez me donner des Vas-y, infos. Vas-y, je retourne me coucher. Ok. Et si vous avez des infos concernant justement ce que font les producteurs, on est preneurs. Oui, bah, vous inquiétez pas. De toute façon, ça va décider. Bah, demande à son agent, hein, parce que lui, il en sait rien. Hein, mais... Donc, désolé. De toute façon, il passera un coup de fil à son agent. Ok, ouais. Doki. Bon, bah. Là. De toute façon, ça va être chiant, il va y avoir des journalistes, tout. Et en même temps que tu dis ça, tu remarques qu'il y a plusieurs vannes de journalistes qui sont en train de s'installer devant la villa, à l'extérieur. Ah, des journalistes ! On va peut-être pas dû dire à nos infos. Manquez plus que ça. Il te reste de la pâté pour chien. Je suis contre les morts. Remarque, tu ouvres les grilles.
ils prennent ça pour une invitation, ils rentrent et tu lâches le chien. Ça peut être fun. Tu filmes ça avec ton iPhone, avec la petite musique de Benny Hill, et t'envoies ça sur YouTube. Je suis certain que tu fais des millions de vues. Facile à un million de vues, ouais. Mais bon, on n'a pas le droit. Ouais, c'est surtout la phrase pour te demander si tu tentes ton affaire. C'est surtout la musique de Benny Hill que t'as pas le droit. Elle va se traguer la vidéo. C'est clair. Juste pour ça, quoi. Bon, sinon, on peut retourner sur Clyde. Je pense qu'il est dispo. Je suis là. Donc, qu'est-ce que tu fais de la scène? De toute façon, là, on a tout vu ce qu'il fallait sur la scène. Le plus important, c'est la position de Judas. D'accord. Moi, je croyais que c'était le bateau mouche, mais bon. on a mis sous scellé le téléphone de... Bah, le téléphone de... Bah, toutes ces affaires, hein, considère. Ouais. On embarque le corps pour autopsie. Ouais. Bah, je fais embarquer le corps pour autopsie. Et puis, La question, c'est plus... Où est-ce que tu vas maintenant, en fait, hein, plus que... Moi, je voudrais bien que tu ailles Lynn. Voir les vidéos. Non, Chrome, non. Quoi? Il a passé la musique de Hooker, non. Trop bien, la musique de Hooker. Non. Mais du coup, moi je veux bien aller... C'est quoi ce bordel? Je veux bien aller au QG, tout ça, mais... Y a pas de problème. Faut faire les enquêtes, rechercher les vidéos, tout ça, y a pas de soucis. Mais voilà, le MJ veut savoir ce que tu fais toi. Bah oui, c'est toi qui es en charge de l'enquête, donc je veux savoir en fait ton action sur l'enquête là. Alors. En gros, tu fermes la scène de crime, tu bloques le truc. Non, je bloque. Sachant que pour le moment, y a pas crime, hein. Y a soupçon. C'est une des choses qu'on t'a demandé, c'est oui ou non, il y a un crime, et est-ce que ça vaut une enquête, ou est-ce qu'on classe? Pour moi, il y a soupçon. Et je l'ai fait comprendre comme ça. Non, mais c'est, voilà, tu dis à ton patron qu'il y a un gros soupçon et que tu as besoin de poursuivre l'enquête. Voilà. Ok. Donc, l'enquête, ok. Pour l'instant, l'appartement... Je vois pas pourquoi, moi j'ai plein de gens cagoulés qui rentrent chez moi la nuit et qui repartent sans rien dire en laissant des cadavres, hein. C'est tout à fait normal. C'est ta voisine. Oui. Ça fait combien de temps que t'es pas rentré chez toi, Juan? Un certain temps. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Mais chez soi, c'est pas un endroit, c'est une personne, et cette personne, c'est Charisma maintenant, donc voilà. Lequel parmi vous, pendant cette enquête, qui c'est qui a dormi chez lui? Moi. Ouais. Moi. Pas souvent. Parce que moi, j'ai dit que je rentrais chez moi justement la nuit pour dormir, et puis je revenais le matin. Donc, Ok. Pas moi. Moi, j'ai dû faire une nuit, mais pas plus. Okay. Que non, bon. Il y a quand même... Mais l'année dernière, non. Techniquement parlant, tu peux me demander, Clyde, où j'étais aux alentours de 5h12 ce matin, parce que c'est vrai que... Clyde, ça serait peut-être pas mal de demander une autopsie approfondie. C'est déjà fait. C'est déjà fait, il a déjà... Et Lynn a fait jouer ses relations pour que ça aille vite. Lynn, en fait, je te demande juste, Lynn, de juste regarder dans la rue de la nuit, de cette nuit-là, si tu vois, tu repères le mec et si on le repère partir dans un véhicule ou pas, en fait. Des caméras éventuelles. Ouais. Et moi, je voudrais bien me renseigner sur l'IS card, s'il y a moyen de... Parce que vu que ça coûte super cher, quand même, d'avoir une IS card, je pense qu'il y a peut-être moyen de trouver un peu, par le biais peut-être de nos... de s'entraider entre nous, entre nos relations, voir si on peut pas avoir quelqu'un qui pourrait remonter sur une personne qui aurait acheté une IS card ces temps-ci. Trop compliqué. Parce que des IS cards, c'est marché noir, savoir qui a acheté quoi, sachant que c'est des gens qui vont pas donner leur carte bleue ni leur truc... Tu vas t'emmerder pour beaucoup de choses, pour le coup, hein, pour trouver qui, sachant que c'est un dispositif qui est fait pour être le plus intraçable possible, trouve. Non, je comprends l'idée, mais pour le coup, je te le décourage. Voilà, allez chercher le témoin. Oui. La personne qui s'est barrée. On va essayer de trouver Milena Karezik. Vous connaissez son nom, vous connaissez sa gueule, c'est son adresse. Donc, on fait une recherche sur elle déjà pour commencer.
C'est une actrice, vous la connaissez déjà, vous avez déjà fait une recherche sur elle, elle fait partie de l'équipe de tournage. Ah, j'ai compris, vous n'avez pas son adresse. Bah si. Oui, non, mais c'est pour ça que je disais ça, en fait, j'avais compris, vous n'avez pas son adresse, donc j'ai... Voilà. Du coup, on va à son adresse, enfin, je pense que c'est plus simple, non hein. Qui... Où ? Dire quoi ? Torgen répond à la question, qui y va ? Eh ben nous, moi et Max. Max. Ok. Lynn reste au central, donc. Voilà. Ouais, je me fais accompagner par le SAD. Mmh. Bon, de toute façon, le SAD, il t'amène dans une salle d'interrogatoire et il te cuisine. Ah bah, je me doute. Pour prendre ta déposition complète, etc. tu me fais... Bon, tu résistes pas à l'interrogatoire, de toute façon, t'as rien à cacher, je suppose. Oui. Ouais, ça, si je veux cacher que j'ai pris 8 litres de coke par les narines... voilà, mais je pense pas vous l'avoir fait. Donc, de toute façon, le mec du SAD va te filer ton analyse et ouais, il y a des couleurs qui sont pas dans le manuel, quoi. C'est ça, on va dire ça dans le truc. C'est pas vraiment ça, mais ouais, a priori, ouais, tu t'es bien enfilé pas mal l'alcool et t'as dû prendre quelques trucs à des moments quand t'étais pas vraiment frais. Hein. Mais rien d'illégal, mais bon. Ouais, mais de toute façon, j'étais pas en service à cette époque-là. Non, et d'ailleurs, ils te disent qu'aujourd'hui, tu vas pas être en service non plus, le temps de récupérer. Hein. Oui. je peux me faire une dialyse, peut-être, ou un transfert sanguin pour... Non, t'es pas... Tu es flic, pas coureur sportif. Tu ne vas pas faire le Tour de France. Pas cycliste. Ouais, c'est ça. ouais, bah du coup, je reste là. Oh, ouais. De toute façon, on te demande de rester dans le coin s'ils ont d'autres questions et de pas quitter la ville. Ouais. Je doute bien. Bah, si tu veux, je connais un bon pilote qui peut t'emmener ailleurs. Hein. Ouais, ça s'appelle un... Si elle s'en va maintenant... C'est mauvais pour le dossier, quand même. Disons que Skripnik et Jason King, ils auront une nouvelle target dans pas à battre. Hein. Ouais. Moi, j'ai hâte de les voir débarquer chez Lynn. Je pense que je filmerai parce que ça sera grandiose au niveau film d'action, vu la dernière description qui a été faite. Alors, je finis juste pour Lynn. T'as un SMS de ton père qui te demande qu'est-ce que c'est que cette merde. Eh ben... C'est une bonne question, tout à fait. Je pense que je les aurais prévenus dès que j'aurais pu, au moins ma mère, je pense. Et je lui dis que c'est une petite soirée qui a mal tourné, quoi. Donc, il s'est mal terminé. Et du coup, je pense que j'ai un petit peu fâché tonton Jason. Alors, t'as une réponse dans ton père. Fâché, c'est pas fâché, vu le temps qu'il a passé dans mon bureau. C'est au-delà. Il est carrément hors de lui. Là. Eh ben oui, mais bon. À ta place, je m'éloignerai du bureau. Je passerai pas à 100 mètres à côté de son bureau. À ta place. Ouais, mais même pas un kilomètre. Tu risquerais la combustion spontanée là. Pendant ce temps, donc les deux autres, vous allez à l'appartement de Milena. Milena Karesik. Ok. Bah, ok. Vous êtes devant l'appart. Vous êtes devant son appartement. On a pas demandé un... Enfin, quoi que non, on n'a pas de quoi faire un mandat à l'heure actuelle. On n'a rien contre elle. Ouais. Il y a un interphone, peut-être ? Oui, il y a une sonnette. On va tester comme ça. Ring, ring. Ça répond pas. Oh non. On sonne chez tous les voisins. Ouais. Oui, c'est moi. Ok, t'as un voisin qui sort, c'est un appart, donc sur le palier tu sonnes, les voisins sortent en fait, pour la plupart. Il est à peu près 11h. Non, ouais. c'est des immeubles où t'as les portes extérieures. Hein ? C'est ça ? Non. L'immeuble. Non, vous dites que vous sonnez tous les voisins, donc c'est un palier et vous sonnez les voisins. Donc les mecs ils ouvrent leurs portes. D'accord. Mais justement, j'ai du mal à m'imaginer. On était même pas rentré dans l'immeuble en fait. Si ? Non, on est rentré dans l'immeuble, je croyais que c'était... Vous êtes cops, c'est pas un putain de digicode qui va vous faire chier, quoi. Ok, bref, c'est pas très grave. Du coup, on demande s'ils l'ont vue aujourd'hui. Ils savent si elle est là. Non, ils en savent rien. Ok, il y a le concierge. Ouais. Je lui montre ma plaque. Ouais. Et on aurait besoin de réveiller Milena Varesic pour une enquête en cours pour meurtre. Faites votre travail.
Vous pourriez nous ouvrir sa porte, s'il vous plaît? Frappez à la porte si c'est pour la réveiller, pas besoin de moi. Je lui sors un petit billet. Un petit billet de combien? Un petit billet de 50. Ok, bah il monte avec vous et il vous ouvre la porte. Dans ce cas-là, tu dis un Lincoln. Hein? Parce que... Non, non, ça, la monnaie a dû changer peut-être. C'est les stars du porno sur les billets. Non, j'en sais rien. Non, c'est un Schwarzenegger. Donc, un Arnold. Un Arnold. Donc, ouais, il t'ouvre la porte, il te dit, mais si elle est pas là, vous restez pas, vous avez pas le droit. Hein. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. On va... Il reste devant la porte, hein, il okay. vous regarde. Alors, on rentre, on toque déjà, puis on dit, Milena Varesic, ici les cops. Vous êtes, on y va tranquillement, on y va tranquillement, ouais. En étant à peu près courtois, toi. Et on avance un petit peu en regardant quand même pour voir si elle est là ou pas. Quoi. On regarde. On commence. Alors, en fait, vous entendez du bruit. Il y a une porte là qui s'ouvre. C'est quoi là? Qu'est-ce que c'est? Oh putain, que vous foutez chez moi! Et ferme la porte derrière de sa truc. Il y a des gens chez moi! Au secours, à l'aide! Cops! On est du cops! Vous nous avez vu hier soir. On est du cops! Madame Milena machin. Rentrez pas, je suis armé. Sortez là, bande de voyous. Eh ben, on va attendre devant votre porte, mais on a besoin de vous parler rapidement à propos des personnes avec qui vous étiez ce soir. Hier soir. Hier soir. Donc faites un jet de sang-froid intimidation, s'il vous plaît. Ah, moi, je sais pas d'intimider, hein. Ah, mais... il va falloir, hein. T'as dit cops. Ça, Bah, tu sais, c'est pas parce que tu copes que t'essaies d'intimider. Moi, j'essaie de la calmer, au contraire, donc... Quand j'ai pas, c'est-à-dire que j'ai 6. Non, quand t'as pas, c'est-à-dire que t'as 10. Sérieux? J'ai pas 9, plutôt? Ah non, 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 10. Non, c'est 10. Aucun de vous deux a intimidation? Passez-la, moi, sérieux. Hein. Mais, Chouba, vas-y, fais sur ce que tu veux faire. Parce que moi, j'étais pas en intimidation, clairement pas, enfin... Ouais... Bah même Clyde, hein. Je pense pas qu'il était en intimidation. Non, j'ai dit stop, calmez-vous. C'est nettement mieux. Ouais, mais c'est pas la même. C'est pas la même. Ouais, c'est pas la même opposition. Oui, c'est pas la même opposition, je suis d'accord. Mais... Dis gentiment, calmez-vous, on est des collègues de Lynn Gray. Oh là, je dois savoir qui c'est Lynn Gray. Lynn Gray Reich. Vous vous rappelez de cette liste de ce que vous avez fait? Putain, qu'est-ce que vous foutez chez moi là avec... Vous sortez de chez moi? Non, on peut pas sortir, madame. Ah si, vous sortez, c'est une propriété privée. Isabelle King est morte. Vous sortez de chez moi? Alors pour le coup, t'as pas le droit d'être là, hein. T'es vraiment en infraction. C'est pour ça que je disais, on attend devant sa porte. Alors on recule devant sa porte. Et on ferme la. Si elle a la migraine, vous tapez à la porte toutes les 30 secondes, ça va bien l'énerver. Hein. Qu'est-ce que vous faites chez moi exactement? Ben on a essayé de sonner pour vous parler. Parce qu'on a... J'ai fait la fête toute la nuit, vous me faites mal à la tête là. Vous avez peut-être fait la fête toute la nuit, mais Isabelle ben... est décédée. Et vous étiez avec elle cette nuit et on vous a vu sortir à 4h53. Donc ce qui fait de vous une des suspects. Et soit vous calmez et vous répondez à nos questions, soit je demanderai un mandat pour pouvoir vous interroger au poste. Bah écoutez, elle ferme la porte, j'appellerai mon avocat et on verra à ce moment-là. Moi, je mets la tête, je vais me reposer. Très coopérative, cette personne. Yes. Mettez-la sur surveillance, je pense. Ouais. Ouais. Première déception, elle est pas morte. C'est bizarre, ça ressemble pas à une vraie enquête. Les vraies enquêtes, d'habitude, les témoins sont la première chose qui meurt après la victime. On avait fait. Bah, quand c'est Artus 4-9, là, je sais pas quoi, là. Qui... Quand c'est Artus, les témoins, ils sont morts avant la victime, donc. Ce qui pose un certain problème de timeline, quand même. Mais, Putain, Artus est un voyageur temporel, ça explique tout. Bah oui, voilà. C'est le docteur? Je sais pour rien, si les PNJ adoraient des créateurs de la campagne, ils sont cheatés, hein. Voilà, hein. Et Donc. Ils sont pas adorés. Hein. Donc vous appelez à. Comment vous faites une surveillance? Qui c'est qui l'a fait? Comment vous mettez ça en place?
Soit on se met en planque et on attend et on observe. Je pense que ce serait bien d'avoir une autre voiture pour surveiller l'arrière de son immeuble, genre pour éviter qu'elle se casse par derrière. Ouais. Et du coup, je demanderais bien des uniformes de nous aider à surveiller là, en fait. Alors, tu comptes pour des uniformes de t'aider à faire de la surveillance? Oui, c'est je bon. Sais, on peut déjà pas compter sur des cops pour non. garder des mecs dans une prison au sein du cops, alors... Il faut demander à un des gars qui surveille un mec qui dort. Oui, pour qu'il se fasse buter pendant qu'on a le dos tourné, lui aussi. Hein? Oh, ça va, il est chez lui, il y a le chien, c'est bon. Il y a le chien et des caméras. Plein de caméras. Et un cops qui reste, donc du coup... Parce que Lynn, là, elle doit rester combien de temps au central? Ah bah, elle cherche pas, elle reste toute la journée au central. Hein. Ah bah là... elle est coincée là, au central. Si tu veux, Damask, il a une demi-molle qui pourra pas faire tomber avant au moins 3 jours. Donc, bah, je pense que Damask, il encadre tes photos, encore une fois. Par contre, tu rechercheras pour les vidéos, là? Oui, bah, j'essaye. Hein. Je passe les coups de fil, je demande des mandats... Vas-y, fais-moi un jet de bureaucratie, éducation bureaucratie. Oh, je suis pas le meilleur pour ça. Hein, mais, bah, c'est vrai que c'est vrai. Que c'est... Moi, la nana, je te l'aurais intimidé vite fait, hein, mais. Elle en aurait fait pipi dans sa culotte, hein, mais bon. En fait, c'est Max et toi qui aurais dû aller voir la nana, puis moi qui étais. Ouais, mais il peut pas. Il ne peut pas bouger, là. Elle est coincée au central, là, à cause du. Ah bah, c'est pas dégueulasse, quand même, tu le sais. Mais... Ok. C'était quoi? C'était pour trouver à l'extérieur? Bah, on voit le mec rentrer et sortir. Est-ce qu'il a une voiture, un truc comme ça? Ouais, en effet, tu notes, t'as le modèle de la voiture, mais t'as pas la plaque. T'as déjà le modèle, c'est pas mal. Quoi comme modèle? J'ai dit. Hein? Non, mais je suis pas là. Je suis pas au poste. Bah, je vous envoie les infos que bah j'ai. Oui, hein, t'envoie des SMS hein, pour te dire ce qu'il a. Et c'est quoi comme modèle de voiture? Une Ford T. Ouais, c'est, non, mais c'est pour une... savoir, est-ce qu'elle correspond à une voiture d'un personnel du studio ou d'un non. Non, 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 non. Enfin, le truc, c'est que je rappelle que le nombre de personnes dans le studio, c'est possible que ça corresponde à 3 personnes comme personne, en fait. Pour le coup, c'est pas... Est-ce qu'elle elle est nickel, la voiture, ou pas? Ou est-ce qu'elle est en non, sale état? Elle est pas en bon état. Elle est pas pourrie non plus, mais elle est pas... Enfin, elle est pas forcément super entretenue. Ok. Un jour, je lui mettrai un bon petit coup de polish. T'es sûr? C'était pour cette blague que t'as demandé cette question? Non, mais ça permet de savoir un peu qui on cherche, quoi. C'est pas... c'est pendant pas... ce temps, chez l'acteur. Il pionce. Il y a pas mal... Ah, il pionce, mais surtout, ça arrête pas de sonner, en fait, à la porte. Donc, il pionce pas grand-chose, en fait. Bon, j'y vais... Et je vais les calmer. Après, tu peux aussi débrancher la sonnette, hein, c'est encore plus simple. Après, moi, je peux aller à la surveillance et dégager quelqu'un pour enquêter. Hein. C'est pas faux. Et Denis, tu débranches la sonnette carrément. Ah. C'est vachement plus simple et comme ça, il n'y a plus de bruit. Oui. Bon, ils vont taper. Hein. Bon, non, après, ils sont loin, il y a un c'est parc. C'est une porte hein, à l'extérieur, enfin, donc ils peuvent taper à la porte à l'extérieur. Tu peux taper sur le chien. Tu prends la sonnette et tu mets à zéro. Terminé. Ouais, on fait ça. Tu peux sortir à quelle heure, toi, Lynn? Non, je t'ai dit, c'est tu peux m'affecter à la surveillance du gars. Et comme ça, un des mecs qui est à la surveillance, donc soit Denis, soit Max, Juan. Peuvent venir t'aider toi parce que moi je oui. Mis à part être au central je peux rien faire donc ouais si tu veux ça serait même plus logique ouais tu peux aller à la place de Nice ok hein. Ça, toi et Juan pourraient faire un poker pour essayer de récupérer 200$ non non il y a comme quelques mauvais souvenirs du dernier poker. Ah, pourtant, moi, j'ai bien aimé. C'est une idée, tiens. Tu te rappelles comment tu l'as dépensé, ton argent de poker? Ah, putain, qu'est-ce que j'ai fait avec? Alors, ouais, je me souviens plus. C'est Obi qui te raconte les coups de pute qu'il t'a fait dans le dos. C'est qu'il a prévenu Emily que c'était le moment de te demander de faire des achats. Ah, putain. Et donc du coup, t'as dépensé tes 200$ dans l'achat de vêtements et de cadeaux pour Emily. Donc t'es sûr que tu veux gagner au poker contre moi?
Réfléchis à deux fois quand même. Hein. Ouais, mais tu sais que maintenant, Emily, elle est plus du tout là-dedans. Hein. Non, elle te fera acheter des objets sains, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, ouais. Tiens, la relique sacrée de. ou une arme. Sacrée par, par un prêtre. Elle, elle peut pas acheter en tant que relique sacrée, je sais sacré. Pas, un truc d'un MMORPG, quoi, ça aurait été plus de son âge. T'as vérifié si l'autoflagellation n'était pas devenue son nouveau loisir ? On sait jamais. Hein. Non, mais contrairement à toi, mon môme à moi, il est bien en une seule pièce. Là. Ouais, enfin, je veux dire, physiquement, il est bien en une seule pièce, hein, parce que psychologiquement, la première chose qu'elle a fait, c'est tomber dans la secte, la première secte qu'elle a trouvée, quoi. Et c'est même toi qui l'y as mis, donc elle est mise, déjà. Il faudrait encore que ce soit prouvé que ce soit une secte, mais bon. Oh, ça va garder la suite de 3 semaines de plus. Laissez le Gotanum, non. Et puis, ces cicatrices, elles ont été affligées par d'autres personnes, contrairement à l'autoflagellation de ta fille. Attends, tu as trouvé à genoux devant sa croix. Ok. Donc, Lynn prend la place de Denis et Denis nous rejoint. Ok. Ok. Ça marche. Ok, je reste sur ce qui se passe à la villa, s'il te plaît. Ouais. Donc, je pars sur le principe qu'il y aura Juan et Lynn et une horde de journalistes. Ah putain, oui, c'est vrai. Non, mais c'est à eux de se démerder avec ça. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Avec la horde de journalistes ? Ouais. Bah pour l'instant, je te dis, on va baisser la sonnette, comme ça l'autre peut pioncer. Ouais. Moi, j'appelle Sécurité 3000 qui fait des rondes toutes les nuits, là, toutes les nuits. Et je leur dis que, au vu de l'argent que dépense le propriétaire de la villa au 230 de la rue machin, mon cul, il pourrait faire des efforts pour ne pas laisser rentrer les journalistes qui viennent importuner le bien-être. Des bonnes familles californiennes. Et aussi sont probablement la cause des disparitions de chats. Hein on oublie, mais tant de véhicules dans des rues pas habituées à un tel trafic, ça peut faire causer des problèmes à la faune locale. Oh putain. Ouf. Excuse-moi, j'ai dû m'éloigner, on parlait en même temps. Ah bah zut, t'as loupé le meilleur. Donc j'ai entendu que t'appelais la sécurité pour les journalistes, c'est ça ? Ouais. Et en plus, il a insisté sur le fait que les conducteurs de vannes de télévision roulaient très dangereusement et étaient des menaces pour les chats. Ça expliquerait la disparition des chats. Ok. Comment s'appelle ? Les mecs de la sécurité, ils te disent qu'ils sont en sous-effectif pour pouvoir gérer ça. Mais que des gens ils ont appelé des renforts de leur truc et que ils pourront les évacuer d'ici une ou deux heures, mais pour le moment ils peuvent pas faire grand chose d'autre. Bah qui demande à Castiglione de livrer des gens quand même, hein. Je pense pas que tu leur diras ça. Sinon on peut leur envoyer Fenrir, hein. Par contre justement le chien il revient et dans la bouche il a un objectif de caméra. Il est bien ce pépère. Oui, c'est très bien mon pépère. Par contre, moi... Il en a su, crois-tu. Quand je suis arrivé et quand je discute avec des journalistes, j'ai masque intégral. Hein. Ouais, ouais. Masque intégral du COPS, quoi. Ouais. Pas mieux. Par contre, oui, je félicite le chien, je lui donne un sucre. Hein. Comme ça, s'il comprend que s'il m'en ramène, il y en aura d'autres. Y a pas de souci. Est-ce que c'est l'objectif d'un journaliste ou c'est l'objectif d'une caméra cachée pour vous espionner ? Ah non, non, vu le truc, c'est pas de caméra cachée ou alors le mec il faut vraiment bien qu'il la cache, hein, putain. Bon, on va le rendre. J'aime de plus en plus ce chien. T'es sûr qu'ils vont pas le rendre quand même, l'objectif ? Bah si, moi je vais le rendre, mais bon. Bon, t'es sûr ? Moi j'attendrai un peu. Quoi. Bah bon, les questions c'est est-ce qu'on peut avoir les impressions de monsieur. Comment ça s'appelle ? Enfin, j'ai pas le nom. J'ai plus. Monsieur Chellet, qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une partie fine chez Madame Machin ? Est-ce qu'il était au courant chez Madame King ? Est-ce qu'il était au courant ? Etc, etc. Okay. Bah, je réponds aux questions, aux réponses, enfin aux questions sans répondre aux questions, en fait. Hein. Ouais. L'enquête est en cours. C'est ça. Écoutez, laissez la police faire son travail. Et Monsieur Chellet est très peiné par ce qui lui est arrivé et les nouvelles de ce matin. Il n'est pas encore prêt à vous répondre. Il n'a pas encore la volonté de le faire.
En fait, est-ce que quelqu'un a perdu un téléobjectif? Vous auriez vu un chat? Ils sont tous en train de se poser des questions. What? Ok. Pendant ce temps, on retourne comment s'appelle, à l'appartement de Milena. Donc, je pars du principe que vous êtes en bas dans votre bagnole, mais je sais pas ce que vous faites. Denis, il faudrait qu'il se positionne. Il est là. Derrière, oui, avec sa voiture. Mmh. Bah, avec ma... Je dois avoir ma voiture. Bah oui, on en a deux, là. Oui, oui. Moi, je me positionne tranquillou bilou et puis basta, quoi. Ok. Et puis surveiller derrière si elle part, ou puis nous aussi, puis après, on fera une filature pour la suivre. Ok. Donc là, quand vous commencez votre surveillance, il est 11h30. Ok. À la radio, donc je répète l'information que vous avez eue la dernière fois. Donc Radio Flash, il est midi. Une information terrible vient de tomber. Isabelle King, la jeune actrice révélée par le producteur John Farley, a été retrouvée morte ce matin dans son appartement de Downtown LA. On ne connaît pas encore les causes du décès, mais il semblerait que des cops aient été présents lors de la découverte du corps, ce qui laisse à penser à un acte criminel. Isabelle King venait tout juste de commencer le tournage de Condamné, réalisé par Jess De Santo. Rappelons qu'elle avait fait l'objet d'un enlèvement au printemps dernier et qu'elle avait été libérée par une action spectaculaire du COPS. On peut se demander dans quelle mesure les deux affaires sont liées. Je vous laisse digérer cette nouvelle en écoutant Beautiful Death des Under Earth Song avant de vous retrouver pour plus de nouvelles. Comment ils ont eu l'info? Il n'y a personne que ça choque qu'ils aient eu l'info aussi facilement? Il doit y avoir une taupe parmi nous. Alors après, l'info en question, il est midi, c'était ce matin, il y a des journalistes, et ça a fait le tour des services. Il y en a qui payent. Non, pour le coup, c'est pas déconnant d'avoir l'info. L'info la plus bizarre, c'est peut-être la présence de cops qui ont découvert le corps, mais ils ont pas dit de cops qui étaient présents pour autre chose, quoi. Ouais. Moi, ça me choque pas. Mais il y a des gens qui sont pour la liberté de la presse aussi. Hein. C'est toi qui as balancé l'info. Non, pour le coup, il a rien fait. Non, pour le coup, non, mais c'est pas moi. Mais pour le coup, j'aurais pu le faire. Mais... C'est vrai qu'on est deux à être avec à connaître des journalistes. Hein, donc... Bravo. Enfin, techniquement, pourquoi bravo un... C'est bien, c'est pas un mal de connaître des journalistes. Si, c'est gentil. Vous collaborez avec l'ennemi. What? Wait, what? Bon. Donc. Je pense que pour un flic, l'ennemi, c'est plus un avocat de la défense, en fait, hein, qu'un journaliste. Mais... Ok. Faites quoi? Vous surveillez. Midi. Midi 30. 13h. 13h30. Oui, parce que pendant ce temps-là, le vrai coupable, il se barre peut-être, en fait. Et 14h30. Il n'y a aucun mouvement, toujours. Hein. Bah, sinon, sincèrement, si on a eu l'info de Lynn... Laquelle? Elle avait pas eu un truc comme quoi on pouvait trouver des caméras possibles, non? Ou je sais pas. Non, mais Lynn a fait le truc, elle a trouvé le modèle, mais elle a pas la plaque. Y a moyen que je montre les enregistrements à Juan? Ouais. Que peut-être que lui, il arrivera à deviner qui c'est, parce que moi, j'ai pas réussi, mais... Non, c'est pareil, pour le coup, ça... Y a un truc qu'on n'a pas fait aussi, c'était de voir dans le téléphone portable de... Écoute, je considère que... comment ça s'appelle? Que lui, il a eu le temps, et il y avait rien de probant. D'accord. Est-ce qu'on peut appeler le... Bennett pour savoir si oui ou non ça a été injecté. J'y arrive justement, j'attendais 15h. Ouais. 15h, donc le rapport sur la mort d'Isabelle King, l'analyse donc du cadavre, permet de constater que Isabelle King n'est pas une junkie et que l'injection de coke est la seule qu'elle a dû prendre de toute sa vie. Et que le limbo indique qu'elle est trois fois supérieure à ce que la jeune femme aurait pu supporter. Ouais, donc c'est... Et qu'elle n'est pas du tout habituée à ça, et que clairement, la cause de la mort, c'est une overdose de coke injectée. Ouais. Est-ce que c'est plutôt rare de s'injecter de la cocaïne quand même? Ouais, tu veux dire, ça signifie plutôt, non?
Oui, mais après moi je sais pas, c'est pas moi qui écris le scénario. Ici, je crois que. Mais je crois que ça s'injecte, mais dans tous les cas, ouais. Pour moi, c'est l'héroïne qu'on s'injecte. Je sais aussi, mais je crois qu'on peut aussi se l'injecter. C'est peut-être que l'effet est pas le même, mais dans tous les cas, en tout cas, elle a reçu une dose trois fois supérieure à ce qu'elle aurait pu supporter, donc mortelle. D'accord. Avec la seringue qui a été trouvée dans la salle de bain, avec des traces de coke dedans et les empreintes de Madame King dessus. La position des empreintes est cohérente avec le fait de s'auto-injecter ou est-ce que ça donne plus l'impression qu'on lui a dit... C'est cohérent. Et est-ce que le mec qu'on a vu rentrer avec des cagoules, il avait des gants? Ouais. On le voit? Ouais. Oui, c'est pas... Ouais, donc potentiellement, il a pu faire tout ce qu'il voulait et faire en sorte que la seringue soit touchée par... ouais, donc, oui, mais c'est pour ça que je demandais si c'était cohérent, s'il avait vraiment c'est fait cohérent. L'effort de... C'est cohérent. Bah, après, c'est quelqu'un qui est... il s'y connaît peut-être en produit. Pour le coup, on a une idée d'où il est le petit copain de la nana là. Non. Parce que lui, il traficote un petit peu de mémoire dans son BG qui est dans l'ordinateur du COPS. Mm-hmm. Du coup, je t'envoie. Esteban Perella. Ouais. Je t'envoie son nom. Clyde, je te dis que peut-être que, au vu du rapport d'autopsie, ça serait peut-être intéressant de savoir où il est ce gars-là. Ouais. On a peut-être une adresse, non? Ouais, il habite à Burbank. À Burbank? Des marteaux, hein. Pas Conial. À Burbank, c'est pas un quartier qui craint? C'est là où il y avait les studios de cinéma. Là, vous avez fait le tournage. Pas grand moyen. Ouais. Plutôt safe pour Los Angeles. Il y a des pédophiles qui enlèvent des gamins, quand même. Ouais. Ça tombe bien, t'es pas un gamin. Il y a une porte qui donne derrière, hein, de Milena. Hein. Oui. Ouais, donc si on se sépare, on peut pas savoir si elle se... Après, tu peux toujours demander à Juan de se rejoindre, hein. C'est Juan de Nice pour surveiller, et puis toi et Max... Ouais, mais toi, tu vas te retrouver tout seul avec Peter. Ouais, c'est ça. Il va y avoir encore un meurtre. Il va peut-être mourir, hein, parce que dans son escalier avec quelqu'un, il meurt. Donc. C'est clair. C'est vrai que la dernière personne qu'on a laissée avec Lynn est morte. C'est pas vrai. La dernière personne que vous avez laissée avec moi, c'est le mec du SAD. Et alors, ça on se trouve, t'a il est mort. Avec lui. On t'a le laissé avec lui, c'est pas pareil. Non, la dernière personne qui a dormi près de Lynn, faut dire. Ouais. Ouais. Ah non, mais c'est fini, la sexualité pour Lynn, c'est terminé. Voilà. Je pensais que t'allais dire l'alcool et la drogue, que... mais ok, soit. Hein. Ouais, ça veut dire que je laisserai tout seul aussi avec Peter. Je sais pas, j'ai pas trop l'impression. Bah, si Peter il dort, ça va quoi. Chez lui, je ferme tout, je m'occupe des journalistes, ça va aller quoi. Ouais, c'est ça. Tant que Lynn dort pas avec lui, apparemment, tout va bien. Et tant qu'elle a des munitions. Ok, alors on va demander à Juan de venir nous rejoindre. Ok. De toute façon, il est que 15h là. Ouais. Enfin, le temps qu'il arrive, il sera 15h30, mais oui. Ok. Mais Je peux pas emprunter la voiture de Peter histoire de rigoler. Bon, d'accord. Okay. Bon. Il y a pas de voitures qui ont été défoncées à part au tout début. C'est pas la peine d'en redéfoncer une autre, hein, tu sais. Bon, y a pas un quota à avoir. Ouais, et je vais. J'arrive et je prends ta planque. Voilà, et puis après on part okay. Avec Max à l'adresse de Esteban. Ok. Vous arrivez à Burbank. Ouais. Vous voyez si vous avez peut-être vous pouvez demander un mandat peut-être, non? Parce que si vous y allez la faire au fusil et que c'est lui le gars, vous allez un peu lui dire qu'il est surveillé quoi. T'es obligé d'avoir un mandat pour l'interroger. Le mandat c'est pour l'arrêter, c'est-à-dire que si tu l'arrêtes c'est que normalement t'as ce qu'il faut pour le coffret. Ouais. Voilà. Mais si tu vas lui parler et que tu lui dis dans la conversation qu'il peut comprendre qu'il est suspect, voilà. On va juste lui poser des questions parce qu'on cherche. Ouais, mais déjà, je voudrais déjà habiter, voir où il habite et puis voir si on voit un véhicule. Ouais, faire une planque c'est pas mal, mais voilà, mais aller au-delà ça risque d'être de lui dire. T'es suspect, gars. Donc, Alors, attends, tu lui dis t'es suspect, il se met à courir, on lui tire dessus, et puis c'est bon, l'enquête est résolue. Non.
Enfin, déjà vu... si, juste fais-le. Il y a des gens du SAD qui attendent que ça, en fait. C'est pour ça que je dis déjà vu. En même temps, s'il se met à courir et que Clyde lui tire dessus, moi je suis pour rien. Alors, vous allez là-bas. Là où il habite, en fait, c'est une petite villa à Burbank. Alors, c'est pas une grande villa, etc., mais c'est une petite maison qui est plutôt... plutôt bien décoré. Clairement, c'est quelqu'un qui doit avoir les moyens, qui a un minimum les moyens pour se payer ça. Trafic de drogue, ça rapporte. Surtout si tu les vends à des starlets, quoi. Tu veux monter un peu les prix, quoi. Faut pas qu'on y aille comme ça en tant que cops. Si c'est un plan complètement débile, commande pas de alors, ou alors, des trucs comme ça. Non, je vais te donner un indice. Si tu pars du principe que ton plan est débile, ne le fais pas. Non, je fais pas en fait. Parce que c'est des fois les plus débiles qui marchent. Des fois, alors, c'est ça le plus. Contre des dragons, oui. D'accord. Contre des PNJ qui sont un petit peu intelligents, non. Ça peut être intelligent un dragon. Oui, mais le dragon, il lui aussi, il a envie d'avoir des XP, tu vois. Donc tu peux le baiser là-dessus, mais. Regarde Smog, il est intelligent. Ouais, ça va. Oh, il y a un mec qui m'a volé une pièce, je vais aller voler à 800 km de là pour aller cramer un village. Oh, il a une arbalète, il m'a tué. Elle est où l'intelligence là-dedans? Viens. C'était un arc, pas une arbalète, je crois. C'est 80 km. Une flèche magique. Bah, dans le film, c'est une arbalète, enfin, c'est oui. Un scorpion, quoi. Mais. D'accord, non, c'est même l'arc après. Parce que... Dans le bouquin, c'est l'arc. Ouais. Effectivement, dans le bouquin, c'est l'arc, oui. Mais bon, dans tous les cas... Bref. Écrivez à l'arc, hein, voilà. Moi, je trouve... Allez, toquez, lui pour dire, je voudrais vous poser des questions. Déjà, il va me dire, non, je vous ouvre pas, quoi. Donc... De toute façon, la plupart... quelle que soit la personne en Californie, un flic, il te fera... À moins que le mec soit super sympa et aime bien les flics, tu resteras sur le bord de la porte si t'as pas un mandat. Hein. Ouais. Et, ou alors, s'il est coréen, il peut offrir du... Est-ce qu'on peut déjà observer un peu avant... Ah, mais moi, ça me dérange pas que vous fassiez une planque devant la maison. Hein. Moi aussi. Ouais, moi, je vais faire une planque. Okay. Déjà, essayer de voir s'il est là, tu vois. S'il a une indice de vie, quoi, en fait. Parce que s'il n'est pas là... Ouais, déjà, oui, mais ça, oui, logique. Sachant que j'y vais avec ma voiture pour être plus discret. Ok. Ta voiture est discret? Bah quoi, ça fond de bah, dans un quartier où il y a des stars. Ça va, ça passe. C'est justement ce que j'allais dire, ça passait pour le quartier, mais... C'est sûr que ça aurait été à South Central, c'est le côté discret. C'était ma voiture qui passait discrètement. Ah, je suis sûr qu'il y a des voitures comme ça qui se baladent à South Central. Sauf que les mecs qui sont dedans, personne ne leur tire dessus. Mais bon. Donc, vous me faites un jet de... sang-froid, discrétion. L'un des deux dans la voiture, celui qui conduit. C'est sa voiture. Sans froid, discrétion, t'es sûr que c'est moi qui... Ok, d'accord. C'est ta voiture en même temps. Bah, ouais. Si vous avez les meilleures stats, tu peux prendre celui qui a les meilleures stats, ça me moi, gêne pas. Moi, j'ai les stats de base du flic. T'as combien alors, sans froid? Non, j'ai juste le truc de base des flics, donc discrétion. Par contre, en sans froid, je suis pas mauvais, mais... C'est peut-être ça qui est intéressant. Bah, ah, écoute, oui. Je fais si tu veux. Mais dis combien t'as, ça sera plus simple. Des 5. Voilà. T'as 5 dés? T'as 5 en sans froid? Ouais. Bah, fallu. Par contre, en discrétion, je suis juste à 7, quoi. Non, moi, je suis à 5 en discrétion, puis j'ai 2 en sang-froid. Ouais, bah écoute, je connais des gens, ils lancent 2 C2, enfin 2 C5, et ils font mieux que moi avec 5 C5. Hein, donc... Bah, allez, lancez vos dés tous les deux, je prendrai le meilleur, faites pas chier. Hop là, question suivante. T'as peut-être le meilleur. J'ai pris le meilleur. Tu ne peux bien avoir que le meilleur, sauf que là. J'avoue que le gyrophare, c'était pas très discret. Bah, disons que tu. Putain. Et donc, vous arrivez avec la. Bah, en fait, vous vous garez et vous voyez le mec par la fenêtre qui regarde par la fenêtre et qui vous voit et vous le voyez. Alors, moi, ça me fait penser à. Ça me fait penser à un générique qui s'appelle Police Academy, là. C'est Hightower dans une mini. Alors, je vais t'expliquer le principe dans notre groupe. Il y a deux personnes qui savent bien conduire, c'est Juan et c'est Denis. Tu vois ? Donc quand tu montes une planque, t'en prends un des deux. Ouais, mais fallait le dire avant ça, par contre.
Dans tous les cas, clairement, bah ouais, il vous a vu dehors. Je vous pose la question après ce que vous faites. Je vais d'abord passer sur l'autre groupe, s'il te plaît. Denis et Juan. Yes. Oui. Même chose, même jet. Sauf que vous me faites bien les deux parce que deux bagnoles et deux endroits différents. T'as dit sang-froid. Discrétion. Alors, discrétion. Discrétion. Ouais, sang-froid, discrétion. Tu perds un dé pour cette blague. Alors, c'est du 4, c'est 5 du coup. Ça pourrait être marrant, ça. 2. Bah écoute, y a pas l'air de se passer grand chose. Un petit jet juste de perception instant flic pour Juan. De perception instant flic. Ouais, carrément. Alors. Ouais. Elle s'est déguisée. Elle s'est cassée. Carrément, en fait, tu la repères déguisée, en fait. Elle sort de son appart déguisée à pied. Ah, la coche. Je préviens Clyde que la miss, apparemment, sort déguisée. Tu apprends en filature. Ok, ouais. Prends-la en filature, puis tu me retiens au courant de ce qu'elle fait. Préviens Juan. Vous me faites tous les deux. Je garde le jet de discrétion que vous avez fait pour la filature. C'est très simple. Hein. Elle fait 200-300 mètres. Elle rentre dans un Taco Bell. Elle se commande un truc et elle rentre chez elle. Fausse alerte. Ok. apparemment, elle est accro au Taco Bell. Attends. Je veux dire qu'elle a très mauvais goût culinaire. Elle rentre dans un Taco Bell. Je pense que quelque part, c'est la preuve qu'elle n'est pas tout à fait honnête. Un truc qui mange des tacos, quoi. Et il y avait qui dans le Taco Bell? C'est le McDo du Taco. Voilà, c'est ça. Il y avait qui dans le sens... Non, mais ce que je veux dire, est-ce qu'elle allait au comptoir pour commander un truc? Ou est-ce qu'elle voyait quelqu'un d'autre? Elle a été à la borne automatique, elle a fait sa commande, elle a pris sa commande, elle a reparti. Ok, ça marche. C'est tout. Non, mais il a raison, elle aurait pu rencontrer quelqu'un. Je voyais le restaurant, tu rentres, t'as un guichet... T'as un mec qui est au comptoir et puis t'as plein de tables et puis tu t'arrêtes. Enfin, tu pouvais discuter avec quelqu'un. Ouais, cool. Non, pour le coup, non. Elle a juste fait une commande, pris sa commande et s'est barré. Et est rentré chez elle pour la manger. Mais du coup, vous avez son premier déguisement, sa première persona. C'est vrai. Ouais. Considère que si elle ressort avec le déguisement, je vous ferai part de, pour le coup d'autres jets. Pendant ce temps, de l'autre côté, sur l'autre filature, bon, Lonin, tu te fais chier, hein. Je le cache pas, hein. Pendant ce temps, Je regarde s'il y a un... Je demande l'autorisation de tir si un journaliste rentre sur le terrain de. Je dis non. dommage. Et il te dit surtout tiens le chien. Oui. Et là, t'as le chien qui est à côté de toi qui essaie de te niaquer, hein, je te rappelle. C'est vrai. Mais je tiens le chien. Ouais, loin. J'ai pris les maniques de la cuisine, j'ai pris les trucs pour faire tourner les bûches dans la cheminée et je tiens le chien. Fais-moi un jet de carrure pure, tiens, juste pour le fun. Oui. Ligne carrure. Oui, justement. J'ai envie de voir ça. Ah ben voilà. Je vais t'éblouir, tu vas voir. On n'y croit pas. C'est ça. Bon, écoute, ça va. Ouais, tu tiens le chien à distance, tu l'enfermes à un endroit où il te fera pas chier, mais clairement, il essaie de te niaquer. Hein. Dès qu'il a l'occasion, en fait, il essaie de te mordre un mollet ou quelque chose, donc... Tu passes plus de temps à t'inquiéter que si le chien va pas te bouffer un mollet que à surveiller le journaliste. En même temps, tu devrais peut-être le laisser te mordre, hein, parce qu'avec vu la quantité d'alcool et de drogue que t'as encore dans le sang, t'as des chances que ça le tue. Hein. Mais non, je pense que c'est l'odeur de... Je reviens sur Torgen. De King. Non mais non, c'était une petite aparté. Mais voilà. Torgen. Ouais. Clyde, donc... Clyde. Je propose que nous allions le voir. Il nous a vu de toute façon, donc autant descendre pour que rester devant. Autant descendre et puis aller sonner. Ok, tu sonnes. Et écoute bien si t'entends pas une porte arrière qui s'ouvre. Ou un fusil à pompe rechargé. C'est une villa, hein, tu m'as dit. Ouais.
Donc là, on est devant la grille, en fait. On n'est même Ouais, pas. carrément. Et donc, il répond pas. Non. Je vais faire le tour de la maison. Enfin, du bâtiment. De la propriété. Ouais. Il n'y a pas de porte à l'arrière, si c'est la question. Il y a une clôture et là, il n'y a que deux portes à l'avant, en gros pour les véhicules et pour bah, les gens à pied. Bah, du coup, je retourne parce que je m'attends à ce qu'il s'enfuit en voiture, en fait. Il se passe rien. Ah, Bah, c'est ça. y a le garage qui s'ouvre et il y a une voiture qui sort. Ok. Bah, mets-toi devant lui et fais bonjour, police. Comme ça, Tu... s'il essaie de passer, ça fait agression sur officier de police, on peut l'arrêter. Avec un peu de chance, tu C'est gardes tous tes morceaux. vrai, c'est pas Est-ce que faux. tu veux vraiment faire confiance à Mike sur ce coup? Bah, en Non, même temps, c'est vrai. j'hésite. 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 Je soupçonne Max de vouloir m'éliminer. Non, mais après, tu te mets littéralement devant sa voiture, t'es sur le trottoir, t'es sur la voie publique, il a le droit de lui demander de lui parler. T'as le droit de faire un contrôle de son véhicule, par exemple, ou Il s'il Par contre, t'as insiste et pas le qu'il droit essaie de rentrer de... dans sa propriété. Il ressemble à quoi son véhicule? Bah, c'est une Ford. Alors, Est-ce que c'est c'est le pas le même même modèle véhicule. que... Non, c'est pas le même. Maintenant, il a plusieurs. A priori, il doit avoir plusieurs. Comment ça Voiture. s'appelle? Voiture. Et là, c'est comment s'appelle? Tu sais, la. Non, c'est pas une Ford, mais c'est une Mustang. La Mustang de Sheriff Fais-moi peur, là. Je sais plus comment elle s'appelle, là. Ah non, c'est pas une Mustang, c'est une Ford Chargeur. C'est Ouais, je une sais. Chevrolet Ouais. Chargeur. Ouais, une Chevrolet. Dodge. Est-ce que... Une Dodge, Okay. excuse-moi, une Bah, dans Dodge. tous les cas, ça a une bonne grosse voie, un bon muscle car, quoi. Je lui Je crois que demande c'est de bien suivre. une américaine. Je me mets sur le trottoir et puis je lui demande qu'est-ce qui s'arrête parce que Ok. venu parler. Bah, donc en gros, bah, tu vas jusqu'à. En gros, il te laisse. Tu vas vers sa fenêtre, c'est ça? Ouais, une fois qu'il a arrêté, je lui montre ma Ouais, plaque. Je lui montre ma ouais. plaque, Ouais. de toute façon. Puis je lui dis qu'il baisse sa fenêtre. Ok, et bah. Fais attention, bien sûr. Bah, il écrase le champignon. Putain, l'enculé. T'as refusé Ah, c'est pour ça d'obtempérer, que je t'avais ça? dit de te mettre devant quand tu lui Ça parles. change rien en fait, parce qu'à un moment ou un autre, il Si, faut se parce mettre que en là, on peut envoyer sécurité. tout le monde pour agression. Non, 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 c'est refus d'obtempérer. Mais c'est Le refus fait de rouler d'obtempérer. sur le pied, c'est bon. C'est refus d'obtempérer quand même, parce que j'ai montré ma plate, parce que j'avais besoin de lui parler. Pas fou. Ouais, de quoi lancer la poursuite, je pense. Oui. Ouais, Ouais, donc lancer une poursuite. on monte dans Allez, la voiture. Bah oui, préviens-nous. mais peut-être pas, peut-être qu'il va dire à sa complice de s'enfuir et que c'est lui qui va essayer de s'enfuir. Alors, je me permets. Qu'est-ce que vous faites, les deux qui sont à pied, là? Parce que vous n'êtes pas dans votre véhicule quand vous avez fait Bah ça. moi je cours, je l'appelle, je Bah, vas-y, l'appelle. fonce, hein. Je cours dans ma voiture pour essayer de Ouais. le poursuivre quoi. Ok. Donc, vous rentrez dans la voiture et vous commencez la poursuite. Alors, juste, je rappelle, hein, les deux qui sont bons en conduite, Sont pas c'est là, Denis on est et d'accord. Juan. Je Hein? sais, je sais. Je refais. Donc, Par contre, je préviens. non, pour Non, l'instant, tu ok. démarres la voiture et on fera. C'est une action et l'action, ça va être ton collègue qui va sûrement le faire, pour le coup. Donc, toi, tu démarres. Ok. Oui. Là, vous Intérêt commencez d'être la deux dans une poursuite. voiture. Il y a le véhicule qui est parti à 5D, vous en avez 4. Ok. C'est lui qui engage. Et alors je vérifie juste ses stats. Je vais aiguiser les 21 balles de mon Terminator si vous le ratez. tac, tac. Il part Je vais y sur faire un 3 S. réussites. Il faut que tu dises en fait combien de réussites tu penses faire. Lui, il pense faire 3 réussites. Il faut que tu fasses plus ou moins un, mais il faut que tu annonces quelque chose. Donc tu fais 2, 3 ou 4. Voilà. Sachant que plus tu fais des réussites par rapport à lui, plus tu le rattrapes, forcément. Ouais, je Oui. sais. Mais Mais plus tu te foires, plus c'est la merde. Est-ce que tu as par contre, de sur les trois l'adré? réussites, lui, s'il peut être. Tous les Alors, trois. déjà, Tous est-ce les que tu as trois de réussites. l'adrénaline? Ça peut servir. Ça te donne des dés supplémentaires, quoi. Attends, Alors, je peux attends, même. attends. Vas-y, pose ta question. Lui, il demande trois réussites, puis qu'il en réussit que deux. Non, il demande pas. Il dit qu'il va Il faire trois prévoit. réussites. Il Voilà. estime qu'il va faire trois réussites. Ok, s'il en fait que deux, et que moi, j'estime d'en faire trois, mais j'en fais trois. Je le rattrape. Oui, ouais, On va. tu grignotes en fait. À partir du moment où tu réussis, lui perd son jet et que toi tu gagnes, forcément tu rattrapes. Ok. Ne t'inquiète pas, j'ai le truc sous les yeux. Trois réussites. J'ai un point d'adrénaline en fait pour la question. Ok. Mais Dépense-le, hein. je dépense. Ok, Bah, si vas-y. tu veux le faire, ça veut dire que tu passes sur 5D sur ce tour-ci.
au lieu de 4. Ouais. Bah ouais. Je laisse faire ton jet, je lance après. Et après, tu pourras dépenser un point de... d'ancienneté. D'ancienneté pour essayer de okay. Choper 3 au cas où. Quoi. Alors 3, je fais quoi alors 3 réussites. J'essaie c'est de toi faire... qui vois. Bah ouais. À 5D, tu peux essayer 3 réussites. Oui, c'est ouais, pas... 3 réussites alors. Ça dépend, t'as combien en conduite en fait. Si 2. T'as un faible niveau. 2. Non, je plaisante. Non, ouais, j'allais dire, putain, il a 7, il a le truc de base donc. Ah ouais, 3 réussites. Vas-y, fais ton jet. 3 réussites. 5, c'est. Et ce que t'as en conduite. Je fais une prière à la dame blanche pour toi. 2. Ouais, c'est raté. Lui aussi, c'est raté. Donc, ouais, les 2 dés sont ratés, c'est-à-dire que chacun perd un dé de poursuite. Donc, quand tu perds un dé de poursuite, tu peux le transformer en dé noir, c'est-à-dire que tu prends des risques. Lui, il prend des risques. Moi, pendant ce tour-là, j'appelle des renforts. Ok. En indiquant la voiture, machin, délituite, tout ça, blablabla. Oui, ok. Moi, je prends la plaque. Quoi ? Pas de dé noir, mais je peux demander 3 réussites quand même. Alors, attends. Parce que t'as 3 dés là maintenant. Chouba, laisse-moi, s'il te plaît, mener le truc. Ouais, c'est vrai que j'ai 3D. Ok, donc là, t'étais à 4D. Tu perds 1D. Soit tu le transformes en dé noir et tu passes à 3D, soit tu restes avec 4D, mais t'as, le premier dé, c'est un dé noir. C'est-à-dire, s'il est foiré, t'auras sûrement un test un test de conduite à faire suivant ce qui va se passer. D'accord. Et puis les points d'ancienneté là-dedans, ça sert à... Les points d'ancienneté, c'est en cas, si tu veux augmenter, pour si te manque une réussite, tu dépenses ce point pour aller à une réussite. Ok. Alors, un conseil de vieux briscard, laisse-le lui prendre des risques et toi, essaye de rester, ouais, de ne pas te faire pensais. Décevoir, etc. Bah, toi lui, tu restes là. Il va faire 3 réussites. Bah, toi, annonce 2. Ouais, j'annonce comme 2. Ça, si lui échoue, bah, il perd et toi, tu fais 2 et tu réussis. Et ouais. Voilà, du coup... J'annonce 2 réussites. Ok. Tu réussis avec tes 3D, c'est pas mal. Bah, moi j'aurais pris un dé noir, hein. moi j'aurais pris un dé noir parce qu'un dé noir c'est pas grand chose. C'est pas grave. Mais bon, pas tout de suite, laisse l'autre se planter un petit peu. Attends, ouais, mais là il gagne de la distance en fait. Donc là, ouais, c'est pas dit. Il prend trop de risques l'autre, il a plus de chances de se vautrer qu'autre chose. Je fais un jet ou pas là? Ouais, tu fais ton jet de conduite à 3D et il t'en faut 2. Allez, fais ton jet. Ça c'est chaud. Comment ça peut avoir 0 avec un 1? Alors. Je rappelle. Je sais pas. Donc, si l'un rate, donc celui qui a raté son jet perd automatiquement le nombre de dés égal à sa marge d'échec plus 1. Donc 3 dés pour le coup. T'avais annoncé 2, ça fait 2 dés plus 1. 3 dés d'un coup. Tu prends des risques ou pas ? Ouais. C'est-à-dire tout transformé en dés noirs. Ouais, c'est bizarre quand même. Comment il peut foirer un truc à 1 ? Parce que 6, je veux bien comprendre, mais 1. Ah, si, non, c'est au-dessus de 7, oui, pardon. Bah oui, c'est 7. Excuse-moi, j'ai rien dit. Ouh là 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 là. Si je prends des risques, ça fait quoi si je prends des risques avec tuer des noirs? En gros, ça va dépendre du nombre de réussites que tu fais. C'est-à-dire, on verra. En gros, si t'as que des noirs, que tu fais un jet de dés et que t'as que de la merde, bah du coup, tu risques de t'envoyer dans un mur, quoi. Avec un dés noir, le risque c'était d'abîmer la bagnole. Là, avec 3 dés noirs, le risque c'est de te prendre. En gros, quand tu vas faire le prochain test, imaginons que tu prends 3 dés noirs, le nombre d'échecs que tu vas faire, c'est-à-dire 1, 2 ou 3, j'ai une table en fait d'événements aléatoires. Et bien sûr, plus il y a d'échecs, plus l'événement aléatoire est difficile. Voilà. Mais bon. Tu peux essayer, hein. L'idée est quand même que tu restes en position pour laisser le temps aux autres d'arriver. C'est fait. Ça, ouais, sachant que je considère que les autres ont démarré pour y aller. Bah ouais. Donc, prends des risques là, carrément. De toute façon, t'es obligé. T'es sûr là ? Ah bah oui. Sinon, tu vas le perdre. Le truc, c'est qu'il aurait fallu le faire avant en fait, prendre le risque. Ouais. Parce que là, tu prends beaucoup de risques, alors qu'avant, t'en prenais très peu. Oui, mais il le sait pas pour le coup. Vous avez l'habitude. Vas-y, prends les 3. Vas-y, prends, t'inquiète pas. Je prends 3D, alors 3... Ouais, au pire, il y a un airbag, hein, mais... 3 risques, alors. Ça sera graphique, au pire. Donc, je prends les 3D, 3... Ok, lui, il reste sur ses 3 réussites avec les dés qu'il a actuellement, donc un dé noir. Donc moi, les gars, je Elle était belle, ta voiture. C'est pareil, alors. Je prends 3 réussites. Ouais, 3 réussites sur 3D. Prends 2D, hein. Prends plutôt 2 réussites, hein, parce que t'as 3D. Oui, il reste... Il faut que tu le gardes en vue, il faut pas que trop que tu te plantes. Lui, il a foiré de 1, pour le moment. Donc, il faut que Et je il a un dé noir qui a fait... Ouais, je le ferai après, le dé noir. Attends. C'est-à-dire que là, il faut que je jette 3C7, hein, c'est ça. Ouais, la même dé que t'as fait. Bon. Alors, les deux ont foiré, déjà juste pour ça. Donc en gros, ils vont tous les deux perdre un dé poursuite.
Ce qui se passe, par contre, on va prendre une main innocente. Wedge, tu peux me lancer un D6, s'il te plaît? Pourquoi Wedge? Parce que d'habitude, c'est Chouba. Et là, j'avais envie que ça soit Wedge. Ok. Suite à une embardée violente, ton véhicule se précipite devant la devanture d'un restaurant mexicain. Tu me fais donc réflexe, réflexe conduite, difficulté 3. Toujours. Réflexe conduite, ok. Ça marche. Oh putain. Tu peux dépenser un point d'ancienneté pour réussir. Ouais, et là, tu réussis. Je dépense un point d'ancienneté. J'ai réussi, donc le véhicule démolit la terrasse du restaurant, parvenant miraculeusement à éviter des heures intempestives avec des morceaux de viande encore vivants. Oh putain. Bah, ça veut dire en gros que, bon, tu ne touches personne en fait, tu défonces certes le truc, tu fais des dégâts à ta voiture, mais t'as évité les gens. Ce qui est déjà ça, pas c'est mal. Bien. C'est moins pire. Tu joues dans la course? Ouais, l'échec, c'est tu finis dans la cuisine. Ok. Là, je pense que non, c'est cuit, là, mais... Alors, là, ce qui se passe, c'est que t'es censé perdre un dé, donc forcément, tu perds un dé, donc il te reste que deux dés noirs. Ouais. La question, c'est qu'est-ce que tu fais, toi? Sachant que tes collègues vont arriver sur le tour, vont rentrer dans la course, là. Tu peux lâcher, en fait. Je peux lâcher. Bon, bah après ta grosse frayeur, ça serait après. On peut lâcher. Maintenant qu'on a un délit de fuite, on peut avoir un mandat contre lui. Là, t'as pas le temps d'avoir un mandat. Là, t'es occupé. Tu vas pas appeler un mandat. Oui, mais non, parce que la voiture, on vient de l'empaler sur des parasols et des tables et des chaises. Donc, quand on se poursuit, on l'a dans le cul. Fin... Oui, non, mais. Attends, Chouba, je repose la question. À Torgen, est-ce que tu arrêtes ta voiture? Oui, ou j'arrête. Je ralentis. Je roule. Ok. Je reprends pour Denis et. Erwan, vous me faites un jet de réflexe conduite, c'est pour savoir à quelle vitesse vous arrivez sur le truc. Autant dire que si vous faites tous les deux zéros, le mec s'enfuit. Hein. Et un pareil. 4. Fast and Furious. 3. Ok, bah, on va faire comme ça. Erwan, tu commences avec 4D, Denis avec 3 sur la course. Okay. Et t'as pas fait le D6 de son échec. Ouais. Je vais le faire là. Attends, je veux juste les positionner. Il va perdre un dé de toute façon. Et il va prendre des risques, bien sûr. Et vas-y, bah, Lynn, vas-y, fais le D6. Ah, mais je vais faire un, moi, putain, vas-y. Quoi. De toute façon, même un, il y a tous un truc, il y a à chaque fois un truc hein, à faire. Ouais, il me semble. Ouais, bah, c'est pas mal. 5, accident mécanique. Alors. Je vais regarder, je vais faire son jet. Est-ce que. Il roule qu'en première. Ça va nous aider. Alors, il a combien en perception? Perception, il a 4, ok. 4. Ok, bah il réussit son jet. Donc, c'était quoi? J'ai réussi, pas d'effet. Ok, bah voilà. Gyrophare, et puis on le prend en chasse. Hein. Ok, donc il est toujours à 5D, il a 2 dés noirs. Et c'est lui qui était sur la manœuvre en premier, donc il reste toujours ses 3 réussites. Et je vous laisse me dire ce que vous faites. Bah, je vais en annoncer 4. Ok. Denis. Je vais en annoncer 3 et je vais mettre un dé d'adré. Ok. C'est de la coordination ou du réflexe? Oh putain. C'est ni de la coordination ni de réflexe, t'as 4 dés toujours. T'as 4 dés. Pardon. Il a des bouges. C'est un peu bâtard ce jeu. Il s'appelle pas Clyde lui. Ah bah ouais, bah voilà quoi. Ouais, et bah je lui colle au cul, enfoiré. Bah, attends. Et moi à côté, tu vas voir, je vais faire 2 réussites. Tiens, tu vois. Joli, ça c'est de la préséance. Tu m'as dit que tu prenais combien? 3, c'est ça, Denis? 3, ouais, je perds un dé. Non, tu perds 2 dés. Non, je perds pas de dé, tâche de conduite. Ouais, t'as les stages de combat, ouais. Tu allais dire. Donc, tu ignores la première perte. Ok. Mm. T'étais censé perdre 2 dés, hein, pour le coup, mais ok. Non, j'avais dit 3. Ah oui, oui mais 3, oui. Donc plus 1, en fait. C'est la marge plus 1. Mm. Les deux, j'ai réussi, par contre. Donc, si le poursuivant a plus de réussite que le poursuivi, ouais, ok. Donc, en gros, il perd encore un dé, pour le coup. Il y a pas de... Le salaud. Comme t'avais demandé plus de réussite... Ouais, mais il est à 6, quand même, hein.
Ouais, justement. En compétence, c'est pas ouais, ouf, quoi. Il a une moule d'enfer. Là. Donc, il passe sur 3 dés noirs. Waouh. Il reste sur 3 de trucs. Il risque de se planter, ce petit con. Ouais, voilà, 3 dés noirs, ça commence à piquer, ouais. Ouais, je vais annoncer 3 succès, moi, parce que. Mais je pense que je vais pas. Vise 4, vas-y. Ouais, 4, allez, 4. On va être fou. Allez, soyons fous. Vas-y, t'as 2 dans la compétence, sérieux, quoi. Allez, 4. Au pire, tu demandes un point d'ancienneté, et quoi. Bah voilà, 4. Ok. Moi, Denis. Tout pareil que le jet précédent, j'ai encore un des draps d'Adré et je dis 3. Ok. Ah! Pas de soucis. Tu me fais un D6, s'il te plaît, Lynn. Ouais. 5. Ouais, mais là, du coup, il a beaucoup plus de dés noirs, je pense. Ouais, il en a vachement plus, là. Ouais, mais c'est pas le nombre de dés noirs, c'est le nombre d'échecs, en fait. Oui. Au dé noir. Et il a fait qu'un seul échec, donc ça reste sur la première table, en fait, sur les dés noirs. Clairement, donc, au vu des trucs, il a perdu 2 dés. Eh ben, il va rester sur ses 2 dés perdus, hein. Il va pas les transformer plus, hein. Juan, c'est toi qui as gagné l'autre manche, c'est toi qui annonce combien tu fais de réussite. Je continue à 4. Lui, il se met sur 2, hein. Il se met sur 2. Ouais, tu peux descendre à 3 si tu veux, hein, par sécurité. Hein, mais... Moi, je dis 2. Ouais. Non, mais il a dit 4, c'est vendu. Moi, j'ai dit 4, parce que j'ai un stage, t'inquiète. Non, mais toi, tu dis 4, mais moi, je dis 2 pour moi. Ok. Et j'ai 4. Oui, 2. 2 aussi. Voilà. Ok. Bim, 6 en dés noirs. Pour sa gueule. Mais il est. Il a fait un échec de noir. Oh, ouais, ouais. Le 6. Il perd le train avant. Non, c'est le pare-brise est touché par un projectile. S'il n'est pas blindé, il vole en éclats. Le conducteur a désormais un niveau de difficulté pour tous les jets de compétences déclenchés par un crash de test ultérieur. Oh. Mm-hmm. Hey. Et vas-y, Rohan, c'est toujours toi qui annonce la difficulté. Tant qu'il n'est pas à 0. Je vais descendre à 3 là parce que. À lui, il reste à 2. Enfoiré. Même. Et il s'en prend en plus. Il va forcément se planter. Oh, wow, il a pris 1. 5. On le colle. C'est raté. Là logiquement, on. C'est on simple. Peut tenter hein, de toute façon, là, il arrive à 0 en fait. Hein. Donc, ouais, ça, donc. Là, vous arrivez à le bloquer et à stopper son véhicule. Ah bah là, ça va être flingue sortie, et puis on va lui gueuler « Cops, sortez les mains en l'air !» Bah, il sort les mains en l'air. D'accord, bon bah je le menote. Ok, bah vous l'avez arrêté. Yeah ! Et en vie ! Et sans un véhicule interceptor en plus, hein. Tu vas préciser. Et sans fracasser de véhicule. Surtout. Pour une fois. Non, ouais, sérieux quoi, depuis quand vous me faites une réputation les gens là. Après il y a une terrasse quand même qui a été détruite, hein. On reste quand même sur. Ouais, mais c'est... Oui, mais c'est pas Juan. c'est pas un véhicule du service donc. Voilà, en plus. C'est un véhicule perso dans les cops. Il va falloir que je paye. Eh ben, oui. Par contre, Clyde, j'allais dire, tu vas douiller quoi sur réparation. Hein. Ah bah tu vas te mettre au judo et puis tu vas ramasser des pièces jaunes comme tout le monde. N'importe quoi. Tout ça sort, ça. Eh ben, il a dit qu'il allait douiller. Ouais, c'est ça. Donc, ok, vous l'avez arrêté, le gars, pour délit de fuite. On va l'emmener au poste. Et, puis je et avec cette vitesse, avec... tu m'étonnes. Tu peux l'arrêter pour conduite dangereuse aussi. Mise en danger la vie de truc. Ok, vous le ramenez au poste. Qu'est-ce que vous faites? Drogue. Histoire d'en rajouter. Comment ça s'appelle? Torgen, est-ce que tu peux me faire tes compétences de social, un jet sur tes compétences sociales pour te démerder avec la devanture du magasin, enfin du truc. Ouais, social, c'est... Non. Ça dépend ce que t'as, en fait, ce que t'as de mieux, en fait. C'est éloquence, ce que t'as de mieux, c'est rhétorique, c'est quoi? C'est éloquence, non? C'est charme éloquence, je crois. Éloquence, ouais, que j'ai mieux. Ouais, tu me fais un jet de charme éloquence, s'il te plaît. Ok.
Bon, le mec est tout milieu alors qu'il a, fracassé ma terrasse. Attendez, je lui envoie un coup de vent en trachée. Votre terrasse a été fracassée au cours d'une poursuite de police par le COPS. Vous êtes dans la une de tous les journaux demain matin. Clairement, t'arrives à calmer les gens, le cuisinier, etc. Il n'y a pas une mort. Tu calmes les gens. Ouais. Le truc, c'est que. Bon, bah. Il y a des gars, quoi. En fait, t'as deux possibilités. Soit tu payes avec tes sous, je considère que tu les as, donc c'est pas trop un problème. Ouais. Soit tu envoies la facture à ton chef. Non, je paye avec mes sous. Bizarre. On peut pas faire marcher l'assurance du COPS ? Si, mais. Ouais, mais non, faut pas que ça se fasse. Ça arrive au cours d'une course poursuite. Ok. Max, tu vois que ton collègue Clyde, en fait, achète le silence des gens en fait ici présents. Non, réellement. Putain, il y a pas moyen d'avoir quelqu'un d'équipe B qui soit autre chose que corrompu, sérieux ? Mais il est pas corrompu, il corrompt, c'est pas pareil. Non, mais je paye les dégâts, c'est moi qui ai je lui dis, c'est vrai, pourquoi tu fais pas marcher l'assurance du COPS ? C'est une course poursuite pendant des heures de travail ? Oui, peut-être, mais l'assurance du COPS va déjà réparer ma voiture. Ouais, mais c'est la même course poursuite, enfin, je veux dire, c'est son boulot. Mais laisse-le, il fait ce qu'il veut. Il veut travailler au service de com, c'est normal. En fait, tu le sais pas encore, mais Clyde, c'est un nom de couverture. En fait, c'est un consultant externe, il s'appelle Lucifer Morningstar. Tu vois. Comment je peux vous rendre service ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je lui paye, je sais pas pour combien il y en a, mais au moins l'extérieur. De toute façon, là, pour le coup, je vais pas faire les comptes, hein, mais je pars du principe que tu payes. Il y a que des chaises et des tables, c'est bon. Je pense que ça te coûtera plus cher de faire réparer ta Porsche que faire réparer... Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est complètement... Ça devait être des choses inévitables. Ok, vous avez fini. Vous rentrez au central pour aller voir le monsieur qui a été arrêté, je suppose ? Ouais. Bah, bien sûr. Ok. Moi, j'irais bien à son logement et demander un mandat pour fouiller son logement. Vu le délit de fuite, tout ça, nous sommes venus pour l'interroger. Il a essayé de s'enfuir. Il y a quelque chose de louche, quoi. Écoute, pas de soucis, t'as le mandat. Ouais, oui, ça peut être sympa. Pendant que Thorgren l'interroge, comme ça on peut lui balancer des informations en direct. Hein. Bah ouais. Et puis comme ça, il n'y a pas trop de preuves qui disparaissent pendant qu'on fait l'interrogatoire et qu'on perd notre temps là. Si on fait une perquille et qu'on trouve une seringue, par exemple, ça va. Wow. Oui, mais alors si tu peux éviter de laisser tes empreintes dessus quand tu la poses. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas réfléchi, c'est qu'il y en a une qui peut se barrer quand elle veut, en fait. Je retourne directement. C'est une idée, la meuf elle arrive pas trop à se cacher. À moins qu'elle se fasse recruter par une organisation qui fait des cambriolages et qui recrute d'anciens acteurs. Ok. Ça serait très très bizarre quand même. Faites quoi ? Max et moi, on va aller perquisitionner son domicile pendant que Thorgren, peut-être avec Lynn, va aller l'interroger. Non, parce que Lynn, elle est avec Peter. Avec Peter. Mais moi, je suis toujours avec Denise le. Denise et Thorgren vont l'interroger. Je suis certain que la présence de Denise va la rassurer. Oui. Ouais, on va l'interroger. Moi, je serais toi, je commencerai par casser des noix avec ton poing. Lynn. Ouais. Peter est frais entre guillemets, mais en gros te dit qu'il aimerait bien aller voir son agent en direct. Il l'a eu au téléphone, mais il doit aller lui parler en direct. Il veut prendre sa voiture et vu que tu l'escortes. Ouais, bien sûr. Du coup, les journalistes, ils ont été évacués par les mecs de la sécurité. Ouais. Ok, bah du coup, on prend sa bagnole et puis on y va. Hein. Je passe un coup de fil avant. Aux autres, pour les prévenir. Où on va, et où on est, etc. Et puis, on va le faire. Hein. Il n'y a pas moyen de le faire venir à la maison. Très bien safe, ça t'éviterait d'avoir à te déplacer. Bah oui, l'agent de l'acteur, il doit savoir où il habite et il doit être déjà venu, non ? Bah, mais je suis certain que Clint va l'emmener à moto, ça va lui faire prendre l'air, ça va le réveiller. Ouais, niveau sécurité, ça me semble au top. La moto, ouais. Absolument génial. Parfait. Non, je prends une voiture du gars et puis je me conduis, quoi. Ok, je te le fais rapide, en gros, en fait, il parle avec son agent. Alors, t'es pas dans la confidence, mais tu entends la conversation. En gros, il parle du film Condamné, savoir comment ça va se passer, comment on peut rebondir là-dessus, qu'est-ce qu'il doit dire, en fait, aux médias, parce que... en gros, ils préparent, en fait, à eux deux leur position...
Enfin, ils disent clairement ils ont pas envie d'attendre que le producteur serait ouf sa gueule. Ils préfèrent, eux, faire leur propre truc, à savoir qu'ils sont désolés pour ce qui s'est passé, patati patata. Mais surtout de rester le plus vague possible parce qu'on sait pas ce qui s'est passé exactement. Et si c'est et surtout, ouais, l'agent te demande à toi, Lynn, si on sait si c'est un meurtre ou pas, en fait. Bah, moi, je réponds que j'en ai la conviction. C'est un homicide. Maintenant, a priori, de ce que l'enquête révèle, c'est que va aussi dans ce sens-là, quoi. A priori. T'as l'agent qui te dit, vous avez un avocat ou quelqu'un qui vous représente, vous, pour, sur les médias? Cops. J'ai le service de com du Cops. Ok. Mais vous n'êtes pas sans savoir que j'ai tourné dans ce film aussi. Oui, justement. Je suis disponible pour un éventuel remplacement. Clairement, ils te disent qu'il y a de fortes chances que le film, avec ça, ça finisse de le couler. Hein. Oui, bah ça c'est pas trop grave, mais je veux dire, voilà, s'il entend parler d'un rôle de flic et que il cherche quelqu'un, voilà. Ouais, bah il note. Dans tous les cas, il parle aussi pognon et trucs. Clairement, ce qui est sûr, c'est que il parle du cachet du gars, donc potentiellement aussi de par transaction aussi de ton propre cachet. Ouais. Ce qui est dit, c'est ça va dépendre des assurances. Dans tous les cas, normalement, en fait, de son côté, lui, il a assez d'assurance pour avoir son cachet. Est-ce que tu poses la question pour le tien? Ils te disent clairement que normalement, les assurances du film, si elles sont les bonnes, tu devrais avoir ton cachet qui soit payé. Surtout si il regarde le planning de tournage, t'avais quasiment tout tourné, donc oui. Surtout que t'as fait tout ton boulot, donc normalement. Devrait être remboursé, sauf s'il y a d'autres problèmes ou que les assurances n'ont pas été payées. Mais ça. Elle va réussir encore à toucher du fric, quoi. C'est... Et le corps de l'autre, il est même pas encore froid. Hein. Tada. Pendant ce temps, au central. Franchement, je me dis que le titre de ce film était quand même salement prémonitoire, quoi. Je pense que c'est un peu écrit par les auteurs du scénario. Hein. Ouais, je pense aussi. au niveau des personnages, ils doivent quand même se dire putain, un titre comme ça, c'était. Enfin, le mec, il s'est tiré une balle dans le pied en fait. Donc, d'abord, je fais la première partie de l'interrogatoire avant que les autres aient fait leur perquisition. Et après, on continuera après, sauf si tu veux attendre qu'ils aient fini leur perquisition pour poser des questions. Non, mais de toute façon, le temps qu'il y a, on commence à faire l'interrogatoire. Qu'est-ce que tu lui poses comme question, en fait? Après, on fera le jet, mais je veux savoir à peu près où c'est que tu veux le mener, l'interrogatoire. Quelle est la température d'ébullition du mercure? T'es pas là, Lynn. À quelle vitesse vole une hirondelle? Avec ou sans coconuts? Surtout, déjà... savoir où il était, des questions pratiques, savoir où il était cette nuit, déjà. Et lui. Ouais. Pourquoi, quand j'ai voulu juste lui parler, il a appuyé sur le champignon, il a refusé d'obtempérer, on va dire. Parce que ça lui arrive de vendre de la drogue. Non. Il a déjà été condamné pour ça. Ça n'a vendu à Isabel King? Ça Isabel King. Connais pas. Milena Varesic, t'en as vendu? Ah, Milena, c'est plus compliqué que ça. On est bien bons amis, on a des échanges cordiaux, en nature. On peut dire, ouais, que j'en ai un peu vendu. C'est du donnant-donnant. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? C'est en gros, ça va être le vendredi, ce qui correspond en fait au moment où Lynn l'a vu sur le plateau. J'ai pas trop eu de dire ce coup-ci. Bah, sinon, tu fais ton jet de. Attends, je vais d'abord te faire la perquis et après on va voir si t'as d'autres éléments. Pendant ce temps, la perquis. Perception instant flic ou scène de crime à vos choix, à votre choix. Je vais prendre instant flic. Moi. Bah, je vais prendre scène de crime alors. De toute façon, c'est la même chose pour moi donc. C'est juste pour changer. Oh! Je suis encore sous l'effet d'adrénaline de la poursuite, là. Je suis désolé, mais...
Alors, clairement, tu fais le tour de la de l'appart. Il y a plusieurs, je vais pas dire des kilos, mais il y a, de quoi il y a un bon stock de drogue, de quoi fournir pas mal de monde. Cool. Quand je dis de drogue, c'est il y a un peu de tout. Du Vénus, du machin. Le gars est. Clairement, les trois drogues qu'il a le plus, c'est de l'Oni, de la coke et du Vénus. J'appelle la scientifique pour qu'il fasse un test et identifie si c'était la même. De toute façon, tu te mets tout sous scellé pour envoyer, il n'y a pas de souci. Oui, clairement. Tu vois aussi qu'il a. T'as son téléphone, tu trouves son téléphone. Il n'a pas eu le temps de le prendre, a priori. Coup de bol, il est déverrouillé. J'appelle Clyde, je lui demande de vérifier s'il y a un téléphone dans ses poches. Non, il en a. Clairement, son téléphone. Alors t'as des numéros avec des où il y a juste une lettre, donc ça tu sais pas, mais surtout t'as plusieurs noms en fait. Fais-moi un jet d'éducation les deux, comme ça savoir les si éducation pure. Ouais, pure, parce que je pense, à moins que vous ayez cinéma dans vos connaissances générales. C'est Lynn qui l'a, c'est pas nous. Trois succès. Deux succès. Ok, clairement, il y a des actrices, il y a des noms d'actrices en fait, mais pas des actrices très connues, mais il y a plusieurs noms d'actrices plutôt de seconde zone. Isabelle King, non. Non. Le genre d'actrice qui marche pas dans un DVD, quoi. Oh putain. Non, mais par contre, t'as le numéro, par exemple, de Milena Caressi. Ok, et dans ses SMS, il y a des échanges entre lui et Milena? Ouais, même il y a plusieurs SMS et souvent les échanges en fait ça parle de pas à la fois de rendez-vous, de quantité de drogue pour de la consommation a priori, et c'est souvent avec ces actrices là en fait. A priori, de ce que tu lis en fait, il a l'air de se faire entre en fait tout ce qu'il y a ici, il a l'air de se le payer en fait en vendant de la drogue à des stars, des petites stars en fait autour, et des fois de se faire payer aussi en nature. Il y a eu un contact entre les deux au cours de la nuit? Entre les deux, Milena et truc? Non. Je pense pas que ce soit. Pareil. Pour le coup, en train de réfléchir. Non, il n'y a pas eu un contact. Par SMS. Ok. Du coup, je vais chercher je vérifie les voitures et les fringues. Genre, est-ce qu'il y a une voiture qui ressemble à celle de la vidéo? Ah ouais, là, oui, il y a une voiture qui est exactement celle de la vidéo dans le parking. On regarde s'il n'y a pas une seringue quelque part. Il y a des seringues, il y en a plein en fait. Je cherche des gants et des fringues qui correspondent. Ouais, tu trouves. Ok. Ça sent pas bon pour lui. Ouais, ça sent pas bon. Là. Bon, ça c'est une bonne chose. Est-ce qu'on trouve les yes cards? On trouve des cartes. T'en trouves deux, alors t'en trouves trois exactement. Des IS cartes. Okay. Et elles sont dans la bagnole. Bah écoute, on va les taguer, on va les prendre en photo, tout ça comme il faut. Mm-hmm. On va faire comme il faut, et puis je vais indiquer que c'est IS cartes, enfin on va les emmener sur l'appartement pour les tester. Et puis on va donner les informations à Clyde, ça peut l'aider. Oui. Dans son... dans les autres infos, il n'y a pas d'autres moyens de communication, genre ordinateur ou autre sur. Il y a sûrement un ordinateur, mais il est éteint. Donc on va essayer de l'allumer, on va vérifier les contacts pour essayer de récupérer. T'as pas le mot de passe pour le moment. Bon, on essaye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche. J'ai envie d'aller pour le fun, ça marche. Et voilà, hop, quel vas-y. Talent. Tu mets une clé USB Linux, ça marche. C'est... Oui, mais c'est pas un problème. Pourquoi t'as besoin de ça alors qu'il suffit de faire un 2, 3, 4, 5, 6 Un Kali 230, tu vois. Donc, vous faites quoi avec cet ordinateur? On vérifie les communications du monsieur. Ça s'est couvert dans le. Majoritairement, en fait, a priori, il utilise surtout les réseaux sociaux pour parler aussi avec ses clients. Surtout. Ok. Il envoie le croissant lundi. Il envoie à tous ses clients qu'il apporte les croissants lundi. Ouais, mais lundi il sera pas dehors, donc il va c'est pas grave. Ok, dans les coms, on voit qu'il y a un lien entre lui et King ou lui et Milena, machin. Alors, oui, clairement, avec Milena, mais c'est en même temps, Lynn vous l'a donné, hein, il couche avec. Hein, oui, non, je sais, mais. Mais avec Isabelle King, non, rien. Regarde voir s'il n'y a pas. Ok. Des appels avec d'autres numéros. Enfin, ouais. Oui, bah, je regarde du coup. Des appels avec des numéros, mais. Il y en a même qui vont. Quand tu regardes qui vont vers l'étranger, boum, Colombie.
Ah bah directement du fournisseur. Hop là, zéro intermédiaire, direct. Ok, cet homme est... Ok, d'accord. Et il n'y a pas d'échange houleux entre lui et King. Il y a rien qui... Non, il n'y a pas d'échange avec King. Il connaît même pas son numéro, en fait, pour le coup. Ok, mais non, je cherchais s'il y avait une raison qu'il débutait, en fait. Il y a des photos d'elle, genre il a un mur de photos d'elle avec des yeux qui sont brûlés ou des... Il a été payé pour, enfin, voilà. C'est évident, quoi. Je pense qu'il en avait rien à foutre d'elle. Oui, bah maintenant, faut trouver qui a pu le payer pour et le prouver, tu vois, qu'il a été payé pour. Oui, ça va être à nous de chercher. Bah écoute, déjà, on va transmettre ces infos-là à Clyde et je lui indique que je lui ai demandé de vérifier ses comptes. Parce qu'il a peut-être touché de l'argent. Typiquement, le mec qu'il a embauché lui, c'est le même mec qui a embauché les gangers, en fait. Tu trouves par contre, ouais, des billets. Il y a des chances, quoi. C'est vrai que tu trouves aussi. Ouais, tu trouves des liasses, tu trouves du liquide, ouais. Et on trouve ouais, des. C'est normal pour. Genre des petites liasses qui correspondraient à un versement de quelqu'un qui donne de l'argent ou un gros paquet de liasses qui ont l'air tout identique. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il a un endroit où il a tout. En fait, où il range, en fait, son pognon. C'est-à-dire qu'il les a. Une bonne partie sont attachées par lui, en fait. Donc ça pourrait très bien être quelqu'un qui est payé entre guillemets avec l'invalise, etc. Que lui qui est il les a rangés en fait. A priori il les a bien rangés. Un dealer consciencieux, espèce de connard, tu nous as détruit des preuves. Putain, t'aurais pas pu garder le sac avec le nom du mec sur le sac quoi. Le sac de sport. On veut nous dire qu'il écoute du classique et pas du rap quoi. Merde, bordel. Tout se perd les dealers. Depuis quand ils sont organisés quoi? Parce que c'est toujours plus simple d'être organisé. Si tu connais des dealers, Max, tu peux leur dire que t'as un marché à prendre là, hein, parce qu'il y a pas mal de clients à récupérer. Donc tu supposes que Max a dans ses contacts des dealers. Pourquoi tu voudrais que je connaisse des dealers? Ah, je sais pas, je dis ça comme ça, moi. Bon, Clyde. Oui. C'est quoi? Là, de toute façon, j'ai toutes les infos là. Ok. Je pense que j'ai dû sortir de la pièce d'interrogatoire avant, puis après je reviens. Mmh. Ça veut dire que tu m'as laissé seul avec lui? Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu fais, Denis? Je casse des noix avec mes mains. Tant que c'est pas avec tes fesses. Et est-ce qu'après tu t'es su sur lui? Non, quand même pas. C'est grand les noix, hein. C'est grand. Hein. Le mec, non, il te demande s'il peut avoir une noix. Non. Je dis rien, il se casse mes noix, voilà, okay. C'est tout. Il la casse avec ses oreilles, what? Donc tu reviens, Clyde. Ok. Et là, je lui dis, écoute, ce coup-ci, t'arrêtes de jouer au con. On vient de trouver une vidéo de toi qui ouvre une porte, les portes de chez Isabelle King avec des IS cards. C'est quoi On a retrouvé la tenue de la personne avec la cagoule, plus l'IS card, plus la voiture. Tout correspond au fait que tu es allé chez Isabelle King cette nuit à 5h09 et que tu l'aurais injecté trois fois la dose préconisée de drogue dans ses veines. Ok. Tu lui dis ça? Je lui dis, on suppose. Non, dis pas suppose. Non, tu ruines non, je lui dis ça. Non, je lui dis ça. Je lui dis, on a tout qui t'incrimine que c'est toi. Alors maintenant, balance et dis-nous qui t'a embauché. Ok, tu me fais ton. Là, je vais te demander de faire le jet d'interrogatoire, voir s'il va craquer ou pas, ou s'il va dire de la merde. Tu me fais ton jet d'interrogatoire sur tes compétences d'interrogatoire. À toi de me dire c'est lesquelles que tu utilises. Je suppose les meilleures. Et après, je te demanderai l'approche. Mais on en reviendra. Dis-moi déjà ce que tu dis comme compétence. En interrogatoire? Ouais. Éloquence, c'est là où c'est le mieux. Bah, charme, éloquence, ouais, je suppose. Ouais, charme, éloquence. Parce ok. Que... Y a plusieurs façons de le faire. Alors, c'est charme, éloquence, soit en agressif, soit en inquisiteur, soit en froid, soit en poli, soit en amical. Quelle attitude? Moi, j'ai eu l'impression que ton attitude était plutôt... Agressif. Oh, c'était pas très agressif. Police, alors. Poli? Ouais, si tu veux. Ok. Bon, moi, je me positionne un peu en intimidé. Ouais, je vais le laisser d'abord faire. On verra si tu fais un jet derrière. Vas-y, tu me fais ton jet, s'il te plaît.
Regarde si c'est bien ça. Ouais. Ok, ok. Hop. Voilà. Ça va. C'était la bonne tactique, hein, le poli. Ça fait qu'il a 2 dés de moins, en fait. Ok. Ah oui. Alors, oui, bon, bah, clairement, ça, il est coincé. Clairement, tu as mis les trucs devant le nez, il est assez coincé. Et oui, bon, écoute, c'est la Tanza qui m'a demandé de tuer Isabelle King. La Tanza? La Stanza. La Stanza? Alex. Le producteur? Oui. Ah, je savais que c'était lui. Non, pas du tout. Mais je savais qu'un le producteur voulait faire arrêter ce film pour arrêter les dégâts. J'avais raison, mon hypothèse était bonne. Il t'a proposé combien pour faire ça? À peu près 20 000. C'est tout. Demandez-lui s'il les a reçus, les 20 000. Tu les as reçus en liquide ou... Ouais. Chez moi, en liquide. Putain! Il est pas payé après, lui. Et... Non, enculé. Ok. Et ta copine, là, elle était dans le coup? Ça? Milena Varezic? Non. Moi, je trouvais ça bizarre sur la vidéo. Elle est partie 10 minutes avant toi. Ah, j'étais au courant qu'elle était là. Je l'ai récupérée, en fait. J'étais pas là... Je devais la récupérer, la ramener chez elle. Ok. Et donc, tu peux me faire une petite déposition? Ouais, bah oui, j'écris le truc. On a sa déposition. Je préviens... C'est un procureur. Un proc, ouais. Et tout. Ah, et déjà, ce que je vais faire, c'est que... On a juste un tout petit problème, c'est la parole d'un criminel contre la parole d'un producteur qui est blindé de thunes. Ouais, mais on a une preuve, il a mis de la payer en liquide. Est-ce qu'il a des échanges... Il l'a contacté comment? Est-ce qu'il a des échanges SMS ou... Non, il m'a parlé, comme je sors avec Milena, il m'a parlé, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, fais-lui une dose de machin, je te donne 20 000, et je fais, ouais, vas-y. Les 20 000, il les a bien sortis quelque part. Ouais, en liquide. Bah, ouais, c'est un producteur, il est chi, les 20 000, quoi. Pas bah, mais honnête, il les embrasse beaucoup plus. Puis, c'est pas lui qui saura d'où il les a sortis, hein. Ah, oui, clairement. Il y avait un... C'est walou, 20 000 pour un producteur. Non, mais attends, laisse-tu poser ces questions, s'il te plaît. On a une déposition. Même si c'est un criminel, il a quand même une déposition après avoir fait. De toute façon, là, il faut que tu voyes avec un proc. Ouais, je vais voir, je vois avec Richard McCoy. Ouais, bah, il te dit, écoute, je peux pas poursuivre la Tanza juste avec ce témoignage. Il me faut plus que ça, quoi. Il me faut des preuves. Il me faut vraiment quelque chose de. Il faut que tu me trouves des preuves solides que juste le témoignage d'un mec qui va être accusé de meurtre au premier degré, quoi. Ouais. De toute façon, je pense qu'il faut. Sachant qu'il connaît le nom du gars. Voilà. Trouve-moi des plus. Il faut qu'on creuse un peu plus déjà par rapport. Bon, on a trouvé le tueur de Lee. Bah, dis à. Mais je pense qu'il faut qu'on... À Jason King, que sa fille a été tuée par la Stanza, tu vas voir. C'est pas très légal, mais... La personne qui veut faire des vendettas partout en ville, quoi. Ouais, je... Non, mais... Ce que je voudrais se creuser un peu plus, c'est la Stanza. Pourquoi aussi il a voulu tuer aussi Isabelle King, si tu veux pas que pour arrêter le film, il doit y avoir quelque chose derrière. C'est peut-être une fraude à l'assurance, ou une connerie comme ça, quoi. Ouais, mais ça se trouve, l'arrêter le film, c'est le seul truc, hein. Ça a coûté trop cher, et puis voilà. Fait jouer les assurances, si elle est remboursée, tout va bien. Ah, je suis pas sûr. Oui, et vu qu'il y a, eu des protections qui ont été mises sur Shelley, qui était sa victime principale, ben, il a dû changer d'avis. Il s'est tourné sur quelqu'un d'autre, ouais. Ben, elle aussi, elle avait des protections, hein, je pense que... Donc, oui, enfin, mais... On peut essayer de le faire à l'intox, hein. On dit juste que son exécutant, il l'a enregistré, donc on a un truc ouais. Vocal où on l'entend demander de liquider le truc, etc. Et là, tu verras tout de suite sa réaction. Ouais, ou alors, ouais. C'est... Tu peux aussi retourner un peu sous plateau et dire, écoutez, on essaie d'interroger d'autres personnes parce qu'on...
Ah, je sais pas. Toi, l'emmener en disant qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas arrêté. Alors, moi, j'aurais une autre solution, qui est de le pousser à tenter d'assassiner le témoin. En gros, ça s'appelle la chèvre. Généralement, ça se termine mal pour la chèvre. Je vous laisse réfléchir à la question, hein, pour le coup. Vas-y, Obi, je t'écoute sur la chèvre. Une question. Est-ce que Milena est au courant? Elle t'a dit non. Non, non. Ben, prends un mandat, va la chercher, mets-la moi en face de moi, tu vas voir si elle, si elle n'était pas au courant ou pas, tu vas voir. Moi, je vais la faire transpirer du cul, hein, avec mes jets d'intimidation. Ouais, mais ça sert à rien. En fait, je pense que le plus simple, c'est de... c'est que les deux meilleurs en acteurs de la bande, je sais pas qui ça sera... aille essayer de, entre guillemets, pressuriser Milena pendant qu'elle est sur le plateau à portée d'oreille de machin en disant qu'elle est la preuve que c'est lui qui a commis le meurtre. Dis-toi, juste parce que tout à l'heure vous parlez de plateau, pour le moment le film est suspendu, il paraît que l'actrice principale est morte. Voilà, non mais... ouais, mais y a je me disais qu'il y avait peut-être des trucs à gérer sur le plateau encore, il y a peut-être encore des gens qui s'y rassemblaient. Oui, mais des techniciens sûrement, en fait, pas des acteurs. J'ai une idée. On va... Pas des producteurs ? On va faire semblant. On va lui faire croire que le film, en fait, il n'est pas annulé et qu'il va... Au producteur ? Ouais, ça va l'inciter à... Bah, on peut pas. Bah, c'est lui qui décide. Lui qui décide. C'est lui qui va dire, bah non, elle est morte. Ou alors tu veux faire croire qu'en fait, elle n'était pas morte. Non, mais toi, il est suspendu. Tu peux faire croire qu'en fait, il sera peut-être... Le film va être fait quand même. Ah, c'est pas bête, ça. Si on fait courir le bruit auprès du producteur qu'elle a survécu, qu'elle est à l'hôpital pour quelques jours et que le film pourra reprendre dans quelques jours. Ouais. On met Lynn dans le lit en faisant croire que c'est Isabelle King. Oh la vache. À l'hôpital. Et il va sûrement essayer de vouloir aller l'éliminer pour qu'elle survive pas, toi, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, non seulement tu dis qu'elle est pas morte, tu la mets dans l'hosto avec Lynn qui joue le rôle de la nana, et en plus tu dis que elle a juste baragouiné un truc disant qu'elle a vu son assassin, mais que il faut encore attendre qu'elle sorte. Voilà, du et coma en fait, pour quelle cause, quoi. Ça va peut-être le faire pousser à aller de nuit essayer de l'achever, en fait. Alors, non, mais je dis ça. Le procureur, il viendra pas en personne. Hein. Non, producteur. Il va embaucher des gens pour le faire. Ah ouais, le producteur, ouais. T'as dit procureur. Non, ah oui, le non, mais non, justement, si on dit pas que... Ah, tu mets son téléphone sous écoute, hein, s'il voilà. Passe un coup de fil à quelqu'un. On dit pas que Esteban est arrêté, tu vois. Esteban, il fait croire qu'il est chez lui. Et puis si le producteur recontacte Esteban, par exemple, pour aller finir le boulot, au moins on aurait une trace. Il va être plus malin que ça, il va être plus malin que ça. Je pense que ça sert à... Parce que le mec, si c'est ce mec-là qui a fait aussi le truc des gangs... Il a des contacts avec les gangs, ouais. Il a pu embaucher des gangs pour faire ça Ouais, et surtout, c'est peut-être lui qui a fait ça, qui a fait kidnapper la nana pour qu'elle se fasse prostituer, hein. Donc il avait envie que ça soit elle qui morfle. Et s'il avait envie que ça soit elle qui morfle et pas l'autre, on sait qu'il est en dispute totale avec le réalisateur. Donc peut-être qu'il voulait forcer des choix au réalisateur, en fait. Et est-ce qu'on peut avoir un mandat pour avoir un historique de ses communications à ce producteur ? Non, parce que pour avoir un mandat, il faut des poursuites, et les procureurs ne te suivront pas pour des poursuites données par un tueur, en fait. Sachant que le mec n'a rien actuellement sur son casier, Alex Latanza, donc... C'est ça. Mais par contre, le mec est intouchable encore. On peut peut-être vérifier les communications de elle, donc Mademoiselle King... Parce que peut-être que c'est une personne à qui il a fait des avances ou des choses comme ça, et que en fait elle a dit non et il a décidé de l'éliminer parce qu'il avait osé. Esteban l'a dit comment il l'avait contacté? Parce que si. Oui, c'était en direct, c'était sur le plateau quoi. Ouais. Ouais, ouais d'accord. Donc il n'y a pas de moyen de remonter le truc là-dessus. Il n'y a pas de caméra. Tu le fais au culot, hein. Tu dis qu'Esteban a tout avoué et qu'en plus il a une preuve. C'était au studio, il n'y avait pas une caméra qui traînait, qui aurait pu voir la conversation qu'ils avaient les deux? Non. Non, il y a peu de chance. Tu dis, juste qu'Esteban, il a enregistré le truc sur son téléphone pour avoir une sécurité au cas où, et que, bah voilà,
c'est bon. Je... Moi, je pense pas qu'on ait les moyens de l'atteindre, le gars, mais... Tu peux le pousser à la faute, hein. Si tu lui t'y vas en faisant croire en effet que t'as un truc contre lui et que et c'est qu'une question de temps pour que ça tombe, il sera poussé lui-même à la faute. Bah mais non, parce que enfin, moi je suis criminel, il y a un flic qui me dit j'ai un truc contre toi, je me marre, il est pas en train de m'arrêter le gars. C'est pas faux. Juste ça. Bye. Alors non, autrement l'autre variante c'est le criminel qui lui dit qu'il a un truc contre lui. Ou alors si tu vas au Kvo, tu dis qu'on sait que c'est toi et non. On va donner une information au père de King, au père d'Isabelle. Non mais voilà. Ça il s'en bat les couilles, il se dira je suis intouchable, ouais. Il se rendra pas compte que le père d'Isabelle il va envoyer le SWAT en mode sneaky bitch. Mais non, on verra jamais le SWAT. Il enverra pas, oui, enfin t'as compris ce que je veux non, dire. Non, non, il est peut-être intouchable côté de la loi, non. Mais c'est très bien que le père d'Isabelle ira jusqu'à le buter. Pas forcément, tu le connais pas le père d'Isabelle, tu supposes. La dernière fois que la fille a été embarquée, c'est le cops qui est intervenu, et légalement. C'est ça. Mais si ça se trouve, là, il sera suffisamment vénère pour qu'un de ses bateaux ait un accident de tir soudain, et puis tout d'un coup, un obus tombe sur une maison. Enfin, légalement, les conditions de tir dans le rapport, elles sont pas... hein. Oui, mais ça, c'est scriptique. Lui, il y est pour rien. C'est ça. Oui, bah, je pense qu'il l'a fait en hommage à son pote Jason. Mais oui, évidemment. King. C'est évident. Enfin, comme nous, si on intervient sur un truc qui te demande la fume d'un collègue, les options de tir seront plus facilement traitées. Je pense que c'est le plus facile en fait. Mais on le note, on le surveille, on met tout ce qu'on peut, on met tous les services au courant que ce mec-là est une crapule et qu'il faut l'arrêter, et on le surveille de près ou de loin. Et puis est-ce qu'on peut proposer à Esteban Berella de faire la chèvre? Ouais, en non, fait. Est-ce qu'on peut lui proposer une atténuation de peine pour qu'on pourra discuter avec le procureur ou quoi, s'il nous aide à le faire tomber. Le procureur il dit on peut discuter de ça, mais qu'est-ce qu'il a à te donner ce gars-là? Eh ben, à part son témoignage, est-ce qu'il a quelque chose de probant à donner? Justement, je vais aller lui en reparler un peu plus. Après, mais on peut l'utiliser comme chèvre, franchement. Attends, Chouba, laisse finir. C'est-à-dire que en fait. Si on lui propose de nous aider, après j'irai voir Esteban pour lui dire déjà qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter, lui faire un deal si tu veux. Il te dit bah je vous ai dit que c'était lui, qu'est-ce qu'il vous vaut de plus. Ouais, mais on n'a pas de preuve, on n'a rien, ni enregistrement vidéo, ni. C'est ta parole contre la sienne, donc. Ta parole contre la sienne, donc devant un juge ça passera pas. Et c'est toi qui vas tout prendre dans la gueule et qui ira. Mais moi j'ai pas plus que ça. Et si tu le rappelles. Il peut pas les chier les preuves, hein. Non, mais s'il le rappelle. S'il le rappelle comme chèvre, toi, en disant « Ouais, je me suis fait arrêter, mais ils ont posé 2-3 questions, mais ils savent rien, ils sauront pas que c'est toi. » Toi, que ça fait les fouettes. Mais j'ai pas son numéro de téléphone. Non, mais je sais que t'as pas son numéro. Mais je veux dire, si... On il est dans le jardin, le mec. On t'utilise pour... Pour peut-être qu'il va peut-être vouloir t'éliminer, on te protégera, bien sûr. Non. Alors, moi j'aurais pas pensé ça comme ça. Si je dois aller en prison, j'ai pas spécialement envie de me faire tuer, quoi. Alors, il y a une dernière option qu'on n'a pas évoquée, mais ça implique une cape et un masque de chauve-souris. Alors. Moi j'ai une autre piste. Je peux peut-être aller discuter avec le procureur sous prétexte de réclamer mes 20 000 dollars pour mon cachet, quoi. Et essayer de négocier, de voir avec lui et de lui avouer en fait, de lui dire que Lorenzo machin, là, je sais pas comment il s'appelle là, m'a payé 15 000 briques pour tuer Isabelle King, ouais. Et que je l'ai fait, et que il s'est fait coffrer comme un couillon à ma place, et que du coup, s'il veut m'appeler pour un autre meurtre, bah, qu'il m'appelle. Je pourrais m'arranger. Ah, c'est pas con, ça aussi. Mais avec un micro sur toi. Bah oui. Ouais, enfin, il est pas con non plus, il va se dire que si t'as piégé ton précédent employeur, tu as de fortes chances de piéger le prochain, tu vois. Non, mais non. Parce que je pense que ça serait plus logique, parce que si... Mais non, Esteban, je suis vénal. Alors, je suis vénal et je vais me tuer. Après, n'oublie pas que quand même le producteur est au courant que vous êtes cops. Hein.
Je pense mais que la chèvre qui sort, qui dit « Les flics ont pas grand-chose contre moi, mais moi j'ai un enregistrement de toi, donc dis-moi tout... Enfin, viens me payer et je ferme ma gueule. » Ouais, ça c'est pas con non plus. C'est quand même le moyen le plus efficace alors, de le faire sur, venir. Sur ça, Esteban, c'est simple, il vous dit « Non mais moi je vous ai donné mon témoignage, j'irai pas plus loin. Hein. Je tiens ma vie. » Mais c'est surtout que là, t'aurais une atténuation de peine. En même temps, la vie, la mort... Mais il craint rien, le truc c'est qu'on va le protéger. Voilà. Enfin, on va pas parler de Non mais et puis entre temps je pars du principe qu'il y a son avocat et son avocat vous dit il peut pas vous donner de plus. Ok, bon, c'est mort. Alors maintenant, si est-ce que Lynn, tu peux te faire passer pour un flic corrompu, sachant que t'as récupéré l'enregistrement d'Esteban et que justement tu fais chanter le ou alors l'autre. On essaye de voir avec Milena. On peut voir avec Milena. Parce qu'à la rigueur, il vient de réduire à néant ta carrière. Dans tous les cas, quand vous êtes en train de parler de ça, il est à peu près 19h dans les bureaux du COPS. Les gens sont partis. Donc vous pouvez aller vous coucher si vous voulez. Il reste toujours le truc à faire. Enfin, en gros, là, vous travaillez de nuit en heure sup pour ceux qui sont pas, pour ceux qui sont en centrale, je parle, hein, parce qu'il y en a une autre qui est toujours en train de surveiller et qui attend peut-être sa relève. Ouais, on va y aller. Si tu te fais passer pour une flic corrompue, ça serait l'occasion de montrer tes talents d'actrice. Parce que t'as dû apprendre des trucs. Non, c'est pas du talent d'actrice. Il me reste un événement à faire le lundi matin. Là, on est dimanche soir, il y a un truc à faire encore le lundi matin. Ouais, on va y aller. On fait la relève. Ouais, on fait la relève. Oui. Je vais finir juste sur ça. Alors, je vais vous permettre de faire quelques trucs dessus. Mais en gros, le lundi matin, je cherche le truc. Tac, 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 tac. Vous faites appeler par le Skripnik himself. Comment s'appelle Donc, ça va être le responsable de l'enquête, donc Clive. La Skripnik qui te fait tu m'expliques là ce qui est passé sur l'indiscret. Comment ça t'es bien sûr l'enquête du meurtre, donc oui. T'es au courant de ce qui sort par les journalistes. Et qu'est-ce qui vient de sortir là, dis-moi. Ah bah une vidéo des ébats de Lynn et de Madame King et de Madame Milena. Quoi? Alors là mais ça vient d'où ça? L'indiscret, le journal. Il y a un petit côté arrosé là. Je ne comprends pas du tout pourquoi c'était scellé simplement. Je vois pas où est-ce que ça a pu partir. Eh bah, ben, tu vas faire ton travail. Allez. Ah, okay. Et vous savez quoi, les gars? Et vous allez me retrouver les enregistrements et pas les retirer d'internet ou faire quelque chose. Enfin, faites-moi quelque chose. Ok. Chef. Je lève la main, je fais quelque chose du coup. Ouais. Bon, d'accord. Non, mais est-ce que je suis bien sur la vidéo? Alors, en effet, comment ça s'appelle, sur le site de l'indiscret, il y a une vidéo numérique des ébats de Isabelle King, Mila Caressi et Lynn Gray-Reich, pris depuis l'extérieur de l'appartement, depuis l'angle. Ouais, mais c'est tout pourri comme qualité d'image. Bah en fait, ça va, c'est assez, ça va, la qualité est plutôt bien, plutôt pas mal. Hein. Mais en tout cas, ouais... On va aller au journal l'indiscret, je pense. c'est pas le moment que je leur annonce que je peux me payer enfin la voiture que je voulais retaper. Oh putain... Ah, je regarde Lynn en disant « Oh putain, ces salauds qui prennent des vidéos et qui essayent de les refourguer pour les diffuser quand même. Il y en a qui ont vraiment aucune morale. » Comment c'est possible qu'ils aient cette vidéo, quoi? Même pas toi. Il y a juste un mec qui était dehors et qui... La paparazzi. Alors, l'immeuble, c'était au troisième étage. La prise de vue de la vidéo, c'est à travers la fenêtre ou c'est... Ouais, c'est à travers la fenêtre. C'est quoi, Lynn, c'est quoi la question? Ça passe vachement attends, bien. Attends. C'est un drone qui a pris la vidéo? Ça a l'air assez stable. C'est très stable, un drone. Une caméra sur pied aussi. Mm.
On va demander un mandat pour perquisitionner le journal, en fait. Bah, c'est simple, c'est Skripnik qui appelle lui-même et qui vous donne le mandat. Ok. J'aurais bien envie de mettre sur le tableau la tête de Lynn avec actrice de l'année, mais bon. On va perquisitionner le journal. Vous arrivez devant le journal. Alors, pareil, j'ai mon casque. Hein. J'ai mon masque, j'ai tout. Au journal, donc il y a le directeur Bernie Long John, de l'Indiscret, qui vient vers vous. Il est avec deux avocats. Ouais. Et il vous dit, oui, mais premier amendement, liberté de la presse. Ta-da-da-da-da. Mmh. Ouais, mais non. C'est mais quoi, non, ce qui est la mise en danger de la vie d'autrui. Mais dans tous les cas, le mandat marche hein, de perquisition. Mais par contre, il vous dit qu'en gros, il a pas à vous dire quoi que ce soit. Oui. Bah, en fait, on demande surtout l'enregistrement et. Second amendement, protection de la personne, ça rentre en conflit, non? Mais oui, mais c'est, de toute façon, là, c'est de la bataille juridique avec les avocats. Mais vous avez, de toute façon, vous avez le droit de perquisitionner en fait la vidéo. Enfin, il faut que vous sachiez quel ordinateur là. Et que vous récupérez l'ordinateur. Vous pouvez pas tout récupérer en fait. Donc il va falloir quand même essayer de trouver qui a écrit le jeu, qui a fait ces images en fait. On n'avait pas récupéré une bombe EMP quelque part. Ça va pas t'aider. Non, mais au moins on est certain que sur la page, il y a pas un journaliste qui écrit sur l'article ou un truc comme ça. Et non, ils ont pas. Quoique si, le nom du journaliste sur l'article c'est Mac Alpine. Ah, Mac Alpine. Sinon, on peut prendre tous les supports physiques des serveurs. Hein, Eh ben, on va le voir, ce Mac Alpine. Ouais. Ok. Il est là, hein, oui. Qu'est-ce que je peux pour vous, messieurs de la gendarmerie nationale. Il s'appelle Renaud. T'as toujours ton masque ou pas, Aline? Oui. Parce que. Comment vous avez vu cette vidéo, là? J'ai des sources. Ouais. C'est vrai? Et. Pourrait-on avoir toute la source? Je peux pas vous donner qui sont mes sources quand même. L'épi, c'est la source. Alors, pour le convaincre, vous faites un jet d'interrogatoire en fait. Hein. Ouais, j'aurais fait intimidation si c'est l'idée. Ouais, mais ça me va. Hein. Ah oui, je vais intimidation faire, agressif. Ah ouais, non, pas moi. Ok, vas-y. Elle est particulièrement précise. Bah, elle est un peu impliquée. Intimidation. Ouais, il craque. Pim, 5 succès dans fasciste. Ta gueule. C'est lui en fait. Alors, il le dit pas directement, mais clairement, il était sur un immeuble en face pour surveiller Mme King et il a fait son gros paparazzi de base et il a filmé toute la nuit. Et donc, il a filmé le meurtre sans avertir ni la police ni les secours. C'est l'idée. Voilà. Complicité? Non. Est-ce qu'on peut avoir non assistance à personne en danger. Mais il filme pas le meurtre en fait. Enfin, le truc c'est qu'il vous explique en gros que le truc il a laissé tourner, lui il a regardé, il a vu le truc et voilà. Et dans tous les cas, vous regardez la vidéo. On peut voir la vidéo, voilà. Ouais, donc la intégrale de la nuit est dans l'enregistrement. Donc depuis l'arrivée du trio dans l'appartement, où ils font bien la fête. Hein. Ah ouais, quand même. Je suppose que Lynn appuie sur le bouton accélérer. Non, on veut tout voir. Je savais pas qu'on pouvait consommer de la cocaïne comme ça, en fait. Jusqu'à le départ de... C'est quoi cette position bizarre? Jusqu'au départ donc de Milena, machin. Puis une personne vêtue de noir entrant dans la chambre, profitant du sommeil de la jeune femme et du copse, lui injecte une substance. Mais détail important, avant l'injection, l'individu retire sa cagoule. Ce qui permet de bien voir la tête de Esteban Perella. Qu'il est con. Il est con. Et il avait chaud. C'est un peu comme t'es en confinement, tu retires ton masque parce que t'avais chaud, quoi. Il est con. Voilà. Ouais, ou tu le mets sous le nez. Ou sur le et menton. Clairement, le journaliste, donc Derek McAlpine, en fait, il allait faire une story alors, en fait, au fur et à mesure. En gros, si vous auriez pas trouvé, comme vous avez trouvé la bonne personne, il aurait balancé ça pendant le truc. En gros, ça aurait appuyé ce que vous disiez, mais il l'aurait fait de son côté, quoi. Ouais, il aurait fait son buzz de son côté, quoi. Mais est-ce qu'on peut, ça peut se qualifier en obstruction à une enquête en cours, non?
Oui, il a une preuve et il ne le divulgue pas. Bon, ouais, mais d'un autre côté, t'as la liberté de la presse, donc en gros, ça va. Tu peux l'inculper. Maintenant, ça va être de la débat d'avocat sur la constitution même. Par contre, c'est du voyeurisme, non ? Ah bah ça... Complètement. Ah, voilà, maintenant, il faut que Madame King porte plainte ou que Lynn porte plainte. Bah oui, je vais porter plainte. Oui, c'est sûr, hein. Je vais porter plainte et je vais envoyer son adresse à tonton Jason King. Hein. Mais, ce que j'adore avec Lynn, c'est... Mais t'inquiète pas, le cops aussi va porter plainte pour dévoiler le visage d'un cops. Par contre... On perquisitionne la vidéo pour s'en servir comme appui supplémentaire contre Esteban, bien sûr. Après, on n'en est pas oui, mais pour le moment, on a que alors, Esteban, je pose la question telle quelle. Qui fait une copie sur son téléphone de la vidéo ? Moi. La vidéo. Bah, je pense que tout le monde, ouais, parce que comme ça, au moins... On... C'est jamais, hein, ça peut servir pour un fond d'écran. Au cas où quelqu'un veut encore une fois des preuves au cops, on fait des copies, comprenez, tout ça, ah tout non, ça. Non, moi, c'est pour non, mais il n'y a pas besoin. Ah, mais dire, si, moi, j'avais bien compris. Moi, j'ai pas eu les duplicates là de la vidéo où les Juan et Clyde... Bah justement, ça prouve bien qu'il y a une justice. Je pense que ça mériterait d'avoir la même équité, quoi. C'est pas tricoté. Toi, de l'équité. Ça, je remarque que le besoin d'équité est un peu unilatéral, quand même. Tu viens de prononcer le mot équité. Un des sceaux de l'apocalypse vient de péter. Bah écoutez, si, moi je suis pour l'équité. Vous noterez que vous avez tous pris une sauvegarde de la vidéo, sauf moi. Bah, tu loupes les bonnes occasions, assume. Non, mais toi, t'es mon partenaire, tu devrais casser leur téléphone. Bah non, c'est aussi mes partenaires. Oh, ouais, mais c'est qui arrange les coups, hein ? C'est Bibi, hein ? N'oublie pas ça. Ouais, justement. Ouais, il s'en rappelle, les coups arrangés. D'ailleurs, c'est plus de ça. En plus, ça lui coûte un max de blé à chaque fois. Et Lynn, tu peux contacter ta colocataire, si ça se trouve, elle va être vachement contente d'avoir la vidéo. Bah, j'ai peur qu'elle me fasse un peu de la jalousie, mais... Je pense pas. Peut-être que ça ait donné des idées. Dans tous les cas, vous avez ça, bon, en plus du reste. Donc bon, ça reste toujours un élément à charge en plus pour Esteban. Oui, mais on n'a toujours pas le commanditaire. Surtout, ça vous fait... Le truc, c'est que pour le moment, vous aviez des preuves... Indirect. Là, c'est une putain de preuve bien violemment directe, quoi. Ouais. Disons que là, il est foutu de chez foutu, hein, pour le coup. Moi, je vais prendre un avocat. Et je vais essayer de voir avec lui pour qu'il m'arrange pour essayer d'avoir les $20,000 de la production. Bah, déjà, tu voulais pas aller voir directement Alex, justement, pour... Bah, je sais pas si on tente quelque chose ou pas. Ouais, si, on tente. On va faire l'idée de Hobby, de Lynn. Elle va se faire passer pour... On garde la vidéo pour l'instant. Juste avant, il y a un élément que j'ai besoin de savoir. Tu as une demande de Jason King pour récupérer le cadavre de sa fille. De toute façon, on a en fait gros, est-ce que t'en as encore ? Bah oui, l'autopsie est terminée. Donc, en gros, ouais, je lui laisse. Ouais, ok, donc l'enterrement sera mercredi. J'irai. Et donc là, tu veux tester le truc de on fait passer Link pour un flic corrompu qui le fait chanter, c'est ça ? Ouais. Mais avec un micro et tout. Je vous laisse. De toute façon, si on fait quelque chose, ça sera la semaine prochaine. Donc je vous laisse réfléchir à le pourquoi du comment. Vous me dites après. Ouais, on verra. Ça me fait bien. Je vois bien Lynn essayer de le faire à l'intimidation, justement, en disant j'ai la preuve que c'est toi parce que l'autre t'a enregistré. Et donc, tu m'as fait sauter ma carrière. Non, non, non. J'ai besoin de fric. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas cette approche-là que je veux faire. Moi, c'est l'approche. Écoute, le mec que t'as recruté pour faire le taf est mauvais, il s'est fait avoir. Moi, je suis flic. Je le ferai pas. Ah, mais si ça se trouve, il a plus besoin de buter. Non, mais il a plus besoin. Si son film est terminé. Non, mais il a peut-être plus besoin maintenant, mais qui sait, dans 6 mois, dans. Voilà. Et s'il me dit oui, je prends note de ton information, vas-y. Pour info, les mecs, il est où ? Non, il n'ira. Peter Shelley, il est où ? Bah, il y a sûrement un cops avec lui, il est sûrement chez lui. Ok, c'est pour savoir ce que j'ai. Bah, il n'ira peut-être, mais voilà. Moi, l'idée, c'était plutôt de.
Moi, je pars du principe que on va pas le choper maintenant et ça sert à rien de forcer la main. Autant lui donner une piste en lui disant, écoute, bah, voilà, moi je suis prêt à tout, quoi, pour avoir des opportunités, donc financières, donc tac tac, pouf, voilà ma carte. Si t'as un souci, tu m'appelles à ce numéro-là, c'est un numéro un petit peu caché, on fait une petite entrevue et puis tu me dis de quoi t'as besoin et on règle l'affaire, quoi. Ouais, je suis pas certain qu'il aura besoin rapidement ou il va peut-être se faire oublier. Par contre, mettre la pression en disant on a une putain de preuve, enfin j'ai une putain de preuve là-dessus, mais bon, j'ai besoin de fric parce que t'as fait sauter ma carrière, ça peut être sympa. Moi je crois qu'il y croira pas parce qu'il aura il aurait été malin, il aurait tout il a été il malin a il le sait qu'il en a pas laissé en fait. Moi c'est ça je pense qui va nous baiser quoi. Ah, ou alors tu joues sur le fait qu'on a tout le temps été présent pour protéger le Peter, mais que en filmant tout, on a filmé une discussion entre lui et Esteban, et que il suffit de mettre un mec qui lit sur les lèvres pour déterminer que vous parlez de l'assassinat de. Ouais, mais c'est compliqué. Ouais, c'est non, compliqué, mais laisse tomber. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je pense qu'on va prendre le temps de réfléchir, et puis à la prochaine partie, on... Ah, parce que moi, limite, je veux paraître désespéré à ses yeux, en fait. Je veux paraître désespéré à ses yeux dans le fait que j'ai besoin de thunes, et que je suis prêt à faire n'importe quoi, et que je sais que... je vais retourner à ma vie de flic, et que je vais encore tuer des gens, et tout, quoi. Enfin, tu vois... La routine. Si tu veux que je te donne des conseils pour... je suis désespéré, j'ai besoin de fric, je peux te donner des trucs. Hein, je connais bien la situation. Non, mais c'est là tout la différence entre toi et moi. C'est que toi, c'était vrai, et moi, c'est de la comédie, tu vois. Mais justement, je te donne des trucs pour faire du acteur studio, là. Je te donne des vrais trucs, là. Mais, enfin, toujours est-il que ton argument en contre est pas valide. Enfin, du moins, il me satisfait pas. Mais bon, on va réfléchir. Moi, je pense que jouer sur le long terme et juste laisser la petite graine et attendre que ça pousse est mieux que y mettre un coup de marteau, quoi, pour que ça rentre. Je pense qu'il est trop malin et qu'il pense être trop malin et que du coup, si on a rien, on a rien sur lui. Donc, il vaut mieux partir sur parce que. Le mec, s'il a eu le cran de prendre l'opportunité d'acheter un mec qui traîne par là pour faire un assassinat et que ça passe pour une overdose. Ouais. Disons que ça va peut-être le trottiner dans sa tête et trotter dans sa tête. Et du coup, il aura envie peut-être de recommencer. Il se dit bah tiens, j'ai un problème, autant m'en débarrasser. Et donc le prochain problème, il nous appellera nous, enfin moi. Et du coup, on pourra le coffrer. Ouais. Bah, son problème, c'est peut-être Esteban, hein, parce que tant qu'il reste en vie, il peut toujours témoigner. Peut-être. Ça vaut rien, son témoignage. Oui, je sais. C'est Cassandre, le témoin qu'on a. Ça reste quand même une épée de Damoclès. Hein, Ouais. C'est un cure-dent, Damoclès. Ouais, j'allais dire un poignard, mais ça me paraît déjà un peu trop gros. Ouais, un cure-dent de Damoclès, ouais. Plutôt. Hey, ça peut faire des dégâts, un cure-dent. Regarde, c'est interdit dans les avions. Ça peut être utile. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse dans la semaine et puis qu'on se donne plusieurs idées. Puis après, on mettra en place pour lundi prochain. Ça va être le plus simple, à mon avis. Ouais, on prend 4... C'est toi le doc, hein. On trouve 4 gangers, on les paye 2000 balles, ils lui mettent un coup de rafale dans la tronche et c'est terminé. Hein. Mais par contre, moi je veux qu'on arrête l'autre grognasse. Ouais. Comme il est là. Bah oui, qu'on la pressure un peu, voir si elle. C'est palier. Vas-y, si elle est palier ou pas. Fais-moi ton jet, je suis plus sur le truc, mais fais-moi ton jet d'intimidation, machin. Je vais te faire tout de suite la réponse sur ça au moins. Vous allez voir avec mon avocat. Tu me dis combien t'as fait 4 succès, j'ai peut-être un cinquième. Ouais, bah 4 succès. Oh, bah 6. Bon. Bah écoute, c'est simple, elle comprend pas. Enfin, pour elle, non. Le mec, tout ce que c'est, c'est qu'elle avait appelé, elle lui a dit que, en gros, elle l'a tenue au courant, et qu'elle allait avec machin et tout.
Mais bon, ça, c'est puis de toute façon, c'était pour s'amuser. Ah, on s'est gouré, c'est pas Milena, c'est Nabila qu'elle s'appelle. Ok, d'accord. Ça explique tout. Clairement, ce qu'elle dit, c'est que ouais, au mieux, elle a engrainé Isabelle King à consommer en fait dans la soirée. Mais pas plus, quoi. Moi, je dis qu'il y a 50-50 vis-à-vis d'un tribunal avec un jury pour qu'elle soit condamnée, quoi. C'est chaud, juste pour avoir pris de la drogue pendant la fête. Elle parle juste de la fête, elle parle pas de la nuit. Par contre, oui, c'est machin qui lui a fourni la drogue. C'est toujours, enfin, c'est toujours Esteban à chaque fois qui lui a dit d'aller faire la fête avec machine, qu'il allait la récupérer. Enfin, voilà. Enfin, tu sens qu'Esteban... On a quand même l'impression que Esteban lui a demandé à elle de faire consommer... Ouais, bah, clairement, oui. Oui, mais c'est pour faire la fête, quoi. Enfin... Bah, je lui explique qu'elle est la complice d'un meurtre, en fait. Hein. Son avocat te dit oui, mais non, en fait, elle est de bonne foi. Ouais. Et puis, monsieur Esteban a plusieurs nanas comme ça qui sont drogués. Ça tiendra pas devant un jury, mais considérez ce que vous avez fait quand même. Vous avez drogué une personne qui a été pour faciliter son. Vivez avec ça, quoi. Ça l'émeut sans l'émouvoir. Hein. Enfin, c'est pas trop. Ouais, donc c'est bien Nabila. Bon, elle est camée comme pas possible, je pense, mais... C'est un peu ça, ouais. Bah, elle s'est juste pas rendue compte qu'elle était la prochaine, quoi. Oh, elle va mourir d'overdose. Elle va avoir une overdose accidentelle juste au moment où elle va se rappeler d'une info utile, c'est tout. Techniquement, si elle a une overdose, elle, qui c'est qui va recruter le producteur pour faire son film? Et c'est là, en fait, c'est Lynn qui a tout plus manigancé depuis le début. Non, parce que du coup, s'il me recrute moi pour faire son film parce que je suis le seul du trio qui a encore survécu, là il se comme ça, Lynn se lève, elle arrache son masque, elle fait haha, en fait, je ne suis pas Lynn, je suis Fantomas. Ouais, enfin, si le film continue à cause de toi, il y a de fortes chances que tu sois la prochaine à clamser de connement. Mais non, ça va. Mais non, mais là, son film est mort. Le film est peut-être pas mort, il doit y avoir un truc qui fait que on peut faire ça comme ça ou un truc comme ça. De toute façon, le dessin du film, ça sera après l'enterrement. Mais je me demande s'il y a quand même pas un parallèle avec Natalie Wood et Brainstorm, parce que c'est le même genre de truc, hein. T'as une nana. Brainstorm. Brainstorm, c'est un film des années 90, c'est le dernier film de Natalie Wood parce que grosso modo, elle est morte. Je crois qu'elle était sur un yacht, elle s'est noyée, alors qu'il lui restait 2-3 scènes à tourner. Et ils ont quand même sorti le film, parce qu'ils ont terminé l'histoire sans ces scènes à elle. Quoi. Mais et Natalie Wood, c'était quand même une nana assez connue, vu qu'elle a démarré dans West Side Story, et qu'elle était aussi étoile montante. Il y a une idée comme ça. Ils peuvent éventuellement décider de reprendre le film en changeant des trucs, voire même en retravaillant le scénario et tout et tout. C'est puis, pas impossible. Ils font tourner quelqu'un qui lui ressemble vaguement, ils mettent sa tête dessus. Hein. Ils ont fait ça pour un certain Brandon Lee il y a 30 ans. Ouais. Grosso modo. Donc, le fait qu'il y ait une actrice qui est décédée, même si c'est une actrice principale, c'est pas un gage de 100% de réussite. Alors oui, ça fout un gros coup au film, mais ils vont peut-être essayer de le sauver plutôt. Parce que je suppose que les assureurs préfèrent de loin le voir tourner et pas payer plutôt que de voir rembourser les trucs, quoi. Donc il y a encore une possibilité qu'il ait des choses à faire. Donc, oui, ça peut. Bah, il doit me payer 20 000 $. Mais... mais en plus, enfin, je pense qu'on pourrait chercher les relations entre King et lui en fait, pour voir s'il y a eu des échanges houleux ou des choses comme ça qui pourraient. Le producteur, il y aura forcément des échanges. Et la nana, quelle est sa relation avec le producteur en fait? Tu lui poses la question? Ouais. Bah, comment ils se sont rencontrés? Est-ce que, ça fait longtemps. Bah, en gros, il te dit, ça. Sur le premier film où qu'elle a produit avec lui, ils ont couché ensemble. Ils s'emmerdent pas quand même. D'accord. Hein. Mais c'est Luc Besson en fait. Bravo. Ah, c'est pas faux quand même. Dit, le
producteur, il est sympa, quoi. Enfin, pourquoi je comprends pas pourquoi tu poses du pour le producteur. Une relation amicale avec, en fait. Amicale, et des fois, avec bénéfice. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Non, mais c'est un mec très très bien. Du coup, imaginons, le producteur, le mec, il paie son quintal, il trouve une nana qui est suffisamment droguée pour coucher avec lui, il en tombe amoureux, et il la met dans toutes ses productions. Soit il recrute un réalisateur qui ne veut pas cette nana-là en premier rôle, mais qui veut la grognasse de la mairie, là. Slash Hydra, slash ancienne prostituée, slash voilà. Et le bâtard. Et du coup, bah, lui, il en veut pas. Donc lui, il trouve un moyen pour s'en débarrasser et pour mettre la nana avec qui il arrive à coucher en haut de l'affiche. Ça se peut. C'est qu'il y a plus d'autres actés, mais ça se peut. Oui, ça se peut aussi, ouais. Bon, par contre, c'est pas très très logique qu'il recrute quelqu'un avec qui elle couche pour... Enfin, si, on remarque qu'il s'en débarrasse. Ça peut, Mais, voilà, disons qu'il a, il a un sens du partage, quand même. Mais... voilà, qui est pas anodin, mais... ok. Bon, j'espère que le prochain scénar aura des gens à tuer. Hein. C'est bon. Je peux pas te dire, je suis en train de lire le supplément là pour le coup sur le prochain scénar. Et je vous filerai d'ailleurs le supplément la semaine prochaine, enfin les morceaux du supplément dans la semaine, ce qui commence. Ou dans les 10-18, tu vois. Ça... Ouais, bon, ça dans les 10-18, c'est pas trop un problème. Mais le supplément, une partie parle sur toute la politique californienne et les différentes chambres, les différents trucs. Et ça, je vais vous le filer parce que bah, ça parce permet. Parce que ça va s'effondrer à la fin de la campagne, en fait. Alors techniquement oui ça va s'effondrer, je veux dire il y a un supplément qui s'appelle Big One ou Little One, je sais plus, enfin il y a forcément un tremblement de terre quelque part, donc ça va s'effondrer, oui, mais bah moi j'ai tendance à croire que l'objectif de Artus 1, 2, 3 là c'est ça hein, donc mais dans tous les cas je vais pouvoir vous filer à la fois la liste de tous les partis et réellement leur programme, leur machin, et aussi la liste des groupes de pression politique. Par exemple, la CRA, CRA, qui est l'équivalent de la NRA. Mmh. Ça peut être intéressant. Mmh. Mais en plus fanatique. Moi, j'ai ma carte. Hein. C'est pas dit, on en parlera. C'est pas dit, parce que ils ont un point de vue politique très particulier. Mais ils ont leurs entrées au LAPD et ils organisent des stages de tir. Ils n'ont pas le droit de manger des endives le vendredi soir. Non, c'est pas ça, c'est que clairement, en fait, c'est la fusion de deux anciens groupes qui sont donc la NRA et une autre association californienne de protection sur des flingues. Et a priori, ils ont des méthodes assez radicales et des bons avocats. D'accord. On t'entend beaucoup respirer, monsieur Tlon. J'ai soupiré. On t'entend. Bah on t'entend beaucoup respirer. Hein. Non, on entendait parler aussi. Donc voilà. Ok, bah je. Ok. C'est bon pour ce soir, je pense qu'on peut en retourner l'enregistrement. Ouais. Ok. Salut. Au revoir les gens. Abonnez-vous. Générique de fin. Likez. Pa 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 pa.